Et bienvenue à Pouilleur Destruction, épisode numéro 55. Pouilleur Destruction, podcast de discussion métal et de divertissement métal, dans lequel on débat, on critique des albums et on crée des combats d'artistes métal virtuels. Ce qui va se passer ce soir, en fait, deux bons albums au menu et un beau combat de lutte mettant en vedette Bruce Dickinson versus Rob Halford. On a bien, bien hâte, c'est bien excitant et c'est très déchirant. Moi, en tout cas, plus je lis sur Rob Halford, je trouve qu'il torche des fucking ass. Autre petite nouvelle rapidement, je fais juste un petit rappel pour dire qu'il y a encore des t-shirts de Dominican Thirst, ce t-shirt mettant en vedette mon co-animateur dans une situation alcoolisée, corpse painté, et tout ça en pastiche d'une magnifique pochette de Dark Throne. Un autre pastiche que je porte ce soir, en fait, là j'ai quatre trônes à soir. Mais c'est ça. Si vous en voulez, il reste quelques t-shirts. J'ai plus de large, malheureusement, mais beaucoup de médiums, des smalls. Il me reste quelques XL. Salut, mon Max de Page Pagé. Et sans plus tarder, je vais inviter mon co-animateur, secours de ce podcast, un homme d'une grande culture, d'une grande intelligence et d'un charisme infini. C'est quelqu'un à qui je partage beaucoup, qui est d'ailleurs passé chez moi ce soir, avec qui on a partagé un bon show de Cradle et quelques chansons de Yanni. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Sidom, Sodom, Chindrelon Podom, Domination, To Rotten Dom, Dominicide, des Mysteries Dom Trablanas. Veuillez accueillir mon franc copain et vieux camarade, j'ai nommé Dominique Tremblay, mesdames, messieurs! Yo, man! Ça va, man? Oh, yeah, ça va. Ah, épisode numéro 55, ça se passe des choses, ça va vite, esti. Bientôt, je sens que ça arrive vers le Royal Rumble. Bientôt, la production de lutteurs m'amène vers un total de 30 lutteurs singuliers et on va pouvoir faire bientôt ce Royal Rumble métal qu'on attend depuis si longtemps, qui va se faire sous une forme de pool, mesdames, messieurs, avec des prix. Je pense pas me faire une ceinture. Je sais pas, je me crains pour la ceinture. Mais des ceintures physiques, là, c'est-à-dire que la personne de Pouilleur Destruction qui miserait pour le gagnant du Royal Rumble Royal Rumble, Metal, Pouilleur Destruction, aurait une belle Pouilleur Destruction. Ça va être beaucoup d'argent, là. Je pense à mon affaire. Sinon, il va y avoir un t-shirt, on va faire des prix, là, parce qu'on s'entend que piger le bon lutteur sur 30, ça va être assez fucked up. Mon cher Dom, t'es passé hier, on a bu de la bière. Qu'as-tu pensé de ce show virtuel de Cradle of Filth qui était disponible la semaine passée? Show que j'ai écouté aussi avec Jeff, en fait. Moi, je l'ai écouté deux fois. Une fois avec Jeff, une fois avec toi. Ça t'a plu? Absolument, man. Si Cradle, la grande forme, un grand band qui mérite qu'on lui donne plus de crédibilité. Sont meilleurs qu'ils ont jamais été. Ils font un black metal symphonique honnête. Mais là, bien en fait, rendu. On avait du Dusk and du vieux album, en fait. C'est ça qui était intéressant aussi, d'avoir du vieux, vieux Cradle, mais fait avec la technicité qu'ils ont actuellement, parce qu'on sait que dans les débuts de Danny, c'était pas la grosse shape non plus, il était pas mal moins. C'est toi qui faisais remarquer comment qu'avec la maturité, notre cher Danny Fitt, qui est dans nos chanteurs préférés, mais il s'améliore techniquement. À chaque fois, il est meilleur. À chaque fois, il contrôle sa respiration, ses pitchs, puis ses grains d'évier de patch de bicycle. Calisse que c'est intéressant. Moi, je crois que c'est un des meilleurs shows de Cradle que j'ai vu. Mais j'y étais pas live, là. Je les ai vus une couple de fois live en vrai. C'est pas mon premier show virtuel d'eux autres. J'ai vu plein de shows DVD de Cradle of Filth aussi. Puis honnêtement, la perfo est sick. Les gars ont vraiment l'air dans une vibe de ça nous tente de faire cet album-là. Puis à la fin aussi, t'as un deuxième set qui est des tunes de l'album plus récent. C'est vraiment intéressant justement de vieux Cradle, nouveau Cradle. Super divertissement. J'ai capoté bien. Je voulais dire ça de même. Sinon, c'est quoi que t'as bu hier qui avait l'air bon? J'ai... Ah, c'était Brain Juice dans Emporium. Puis mon nouveau classique moderne, espèce de bière milkshake. Ah, toi, tu bois la Vox Populi milkshake IPA, ouais, tu l'achètes souvent, ça. Ça fait deux. Ben, ça fait une couple de fois que je l'achète, puis à chaque fois, c'est genre tabarnak, c'est bon cette affaire-là. Ah, wow. Ben c'était pas au lactose, je me lancerais, mais mon sang de véganeux fait que je ne boirais pas de cette bière-là. Mais oui, c'est un bon conseil pour ceux qui en boivent. Salut Pascal, salut José, salut Jessica. Et c'est le temps, en fait, d'inviter le Jeff Mott National, puisqu'on parle bière. Et ce podcast est toujours commandité, mesdames, messieurs, par le dépanneur La Ressource, le dépanneur de Boucherville, qui contient toutes les microbrasseries du Québec. Le propriétaire de ce dep-là va chercher des affaires à des endroits pour avoir des exclusivités que vous pouvez juste avoir au dépanneur La Ressource. Et comme c'est commandité à soir, on a une petite bière cadeau du dépanneur que Jeff Mott National va nous présenter, mesdames, messieurs. What's up, motherfuckers? Salut, man.
Ce soir, on va découvrir tout ensemble à l'instant, parce que là, vous deux, si vous étiez en train de parler de bière, là, j'étais comme tabarnak, il fait souhait. Ouais, je suis sec d'ailleurs, j'ai tellement fait de battre. Hey, déballons ça, messieurs. On a réussi à juste voir la couleur. Pas trop proche du mic, là, monsieur. Comme ça? Comment? Ben, qu'est-ce que tu dis? Alors, on boit, mesdames, messieurs. Oh my god. Hein? Oh, ah, les grands bois. Les grands bois. Une Dave Keller Carlson à 5%. Une Keller Beer. Dave Keller. Drink me right fucking now. I guess. Pour les Chiefs. Yo, une bière de Slapshot. Ben oui, tabarnak. Hey, je vous lis l'arrière parce que c'est trop magnifique. Ben oui, vas-y. Drink Dave Keller Carlson. Drink me right fucking now. Johnny, il dit que les céréales puis la levure, c'est aussi important que l'eau puis le houblon. Bref, donne-moi une pinte ou une Stein, tout sauf une Astite Klein. Je me rappelle un brasseur de la Franconie. C'était un pro de la fermentation. Il faisait par exprès pour avoir une grosse densité. Et là, devant tout le monde, il peut le changer pour un jackstrap plein de malt. Jackstrap plein de malt. Oh my god. Daveston Lager, Daveston Keller. Oh my god. Brassé. Et oui, ouais, merci. Mais effectivement, dans les commentaires, on me dit que le micro à Jeff fonctionne pas. Puis c'est ça, je suspecte. Ça fonctionne-tu, là? Non. Oh, ben. Non, ça, il sonne cacane. Il sonne pas comme d'habitude. Ouais, je pense. Peut-être que t'as pas la bonne entrée. Et pourtant. Attends une minute. Oh, mais merci. C'est quoi que t'as l'autre micro plugué. I know. Bon, merci Jeff, ça fait vraiment du bien. What's going on? Yes, et donc c'est une quelle bière? 5%. Une Keller Beer. Une Keller Beer. Et merci beaucoup pour toutes ces belles côtes de Slapshot déformées. Je trouve ça excellent. Je suis un fucking fan fini de Slapshot. Guys, je vais falloir que je vous parle de l'hypothèse fucked up que j'ai sorti que je me suis sorti par un ultimate fan de Slapshot, comme quoi que c'est le coming out de Ned Braden, ce film-là. Puis tu sais, il dit à un moment donné dans le film, il y a un gars qui dit à Denis Lemieux, le gardien, il dit ah, « Peut-être que Braden, c'est une tapette. T'as-tu déjà pensé à ça? » Puis Braden, il dit, pas Braden Lemieux, il dit « Ben non, il a pas vu la graine. Un taureau! » Ça, c'est l'argument pour lequel Ned est pas gay. Mais tout le film te prend... En tout cas, j'en reviendrai là-dessus. Wow! c'est vrai, man, c'est, en tout cas, il y a quand même un dessin. Tu as allumé que, tu sais, peut-être que oui, Ned, en tout cas, est-ce que ça me fait rire? Ben, tant santé. Mieux, est-ce si est gay, Chris, puis que ça ben rend oui. Heureux. Ben oui. Ça va être bon. Mais dans le temps, les mœurs étaient assez différentes, merci. Là, c'est... Ok, en plus, d'où? Ah, ouais, c'est ça. Hey, plus, santé, messieurs. À ce délicieux nectar, c'est clair. C'est un j'ai chié mon collet, là, ça, mais bon. C'est très traditionnel comme goût. Puis pas dégueulasse du tout. Mm. Oh mon Dieu, hey, c'est super bon. C'est un petit côté cuivré, très malt, fun. Là. Très malt, un peu de caramel. Là. C'est super ouais, bon. Puis c'est court comme goût. C'est un peu dry, c'est le fun. Mm. Ouais. Oh, yeah. Very nice. Les grands bois. Big up, les grands bois. Dave Keller Carlson. Puis il a bien misé, on est tous des fans de Slapshot. Bravo Fred, tu nous as fait. Ok, yeah, man. Bisous, en fait, Jeff. C'est pas Fred qui a fait de la sélection cette semaine. C'est Claudia qui était là. Ah, merci à Claudia. Merci Claudia. Excellent wow. Choix. Excellent choix. À qui le dis-tu? Puis une excellente joke. Hey, il y a le jackstrap plein de malt, là. Je pense que ça va être. C'est dans mon vocabulaire. Une bière qui goûte le cul, je veux dire, ah, ça goûte le jackstrap plein de malt. Daveston Lager. Daveston Keller. Ouais, mais Dave, il est bien brassé. Capoté. On se voit tantôt, Jeff. Ciao, ciao. Dernier merci au dépanneur La Ressource de Boucherville sur le boulevard Champlain, si je ne me trompe pas. Solide place, solide famille propriétaire. Tout le monde est fin là-bas. Vous voulez faire conseiller, d'ailleurs, vous allez là, puis vous avez votre palette, puis ils vont vous trouver un petit bijou dans le frigo. Ça ne me surprendrait pas. On va continuer avec les nouveautés, évidemment, cette semaine. Dom, je vais te laisser commencer. C'est toujours moi qui commence avec les nouveautés, maintenant. Hein. Pas de problème, j'en ai juste deux. On s'est déjà parlé dimanche. Je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas parlé... On a-tu parlé du nouveau Dead Spell Omega? Non. Et il faut en parler, je pense, hein, parce qu'on aime ça, cette parce que oui, effectivement, puis c'est pas dégueulasse du tout.
Je ne sais pas s'ils vont clencher Paracletus. Ça me surprendrait parce que cet album-là est assez, assez suprême, mais je dirais que c'est encore du fucking bon shit, man. Pas déçu du tout. Eux autres, écoute, je pense que c'est un des albums qui a eu le meilleur note au podcast ever. No fucking joke. On a tous été unanimes bandés là, sur cet album-là. On a tout fait, OK, mais c'est du génie black metal, tout ça. Donc, je me dis, tout ça, comment ils ont pris maturité depuis, ça me rend vraiment curieux. On va jeter une mini-oreille là-dessus. Évidemment, à Puy of Destruction, les extraits durent 10 secondes parce qu'on ne veut pas se faire cut le shit. Mais bon, on se donne une idée. Bon, les chants grégoriens, ça commence bien. Ouais, tu peux le mettre à peu près au milieu de l'album qu'on a aimé. Ouais, c'est juste ça. Yo. Ah, ça a l'air encore d'une pure angoisse puis d'une agonie harmonique complètement trop le fun. Je trippe déjà, man. Je trippe déjà. Puis oui, la pochette ressemble effectivement à celle de BXN. Oui, beaucoup. Mais sont peut-être pas dans la même qualité, à mon sens. Mais bon, on en revient là-dessus, hein, BXN étant notre album, un des albums de la soirée. Mais ouais, Chris, j'ai acheté un esti d'oreille là-dessus, mon gars. Assurément, je suis un fan. Puis bon, on s'épargne des malaises qu'on a eu avec Dead Spell récemment et toujours, là, mais c'est que si on s'épargne de c'est qui, whatever, that's black metal shit au niveau créatif artistique génial qui me plaît. Je poursuis de mon côté. Natch Muse, Under the Yoke, qui est sorti cette semaine et on a un petit featuring là-dedans intéressant, mon chum. Je te laisse la surprise parce que je vais aller chercher ça tout de suite puis je suis pas super rapide, you know. Mais Natch Muse, moi, je connais pas beaucoup. Toi, Dom, t'es familier avec le band, c'est local, là. Non. Tout non plus? Okay. Non. OK. C'est peut-être nouveau, puis je le sais pas. Je sais que journalistiquement, je suis pas... Je suis vraiment pas le... Pourquoi je le trouve pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Under the Yoke, pas Milton, s'appelle de même, à un moment donné. Là. Non. Merci. Ben, en fait, c'est qu'il y a un feat de notre beau Jeff Mott là-dedans. Je pensais que tu l'avais écouté. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr que j'étais à l'affût, puis j'essaie de trouver un bout avec Jeff. Ah, il est là, Carlis. Check comment il est cute! Qu'est-ce qu'on l'aime? C'est Jeff! Ouais, il est bien trop beau! Quand c'est Jeff! On écoute un extrait de Natch Muse Under the Yoke, ça a sorti, je pense, c'est tout frais. Là. C'est une affaire qui est sortie tantôt, ça se trouve, on est super duper fresh à Puy of Destruction. On écoute un court extrait de ça, on le sait que ça sonne le cul. C'est votre responsabilité d'aller écouter ce que vous aimez. Bon, mais je vais pas y aller. Tu sais, ils sont protégés comme tout le monde, hein, ces gens-là. Mélodique. Ouais. C'est plus dans le style du plus moderne Nightwish, je dirais. Tu sais. Ben là, c'est un coup d'un extrême à faire une idée. Là. Je vais écouter beau songwriting, là, ça, c'est accrocheur. Je vais inviter Jeff Mott vite à nous décrire le band rapidement. Allô! C'est deux gars qui m'ont demandé de participer parce qu'ils avaient besoin de vocal clean. Puis c'est Maud qui m'a référé pour ce projet-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai fait ça pendant la pandémie, traquer ça chez nous. Puis pour vrai, ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis c'était vraiment plaisant. Ça faisait vraiment changement. T'sais. Ouais, le groupe. J'ai fait 4 tunes sur cet album-là, puis là, ils viennent de lancer le premier clip, là, Under the Yoke. Yoke. Mm. Pas Yoke comme Page, il dit ici. Yoke comme une tune de brunch, comme un jaune d'œuf. Là. Mais Yoke, O-K-E, comme dans la servitude involontaire. Est-ce que c'est un band qui roule depuis longtemps? Moi, j'avais jamais entendu ça. Le Dom connaissait pas non plus. Relativement récent. Okay. Jeff était dans un autre band de grindcore aussi de la région de Toronto. Je me rappelle plus de où ça sort. C'est quoi le nom? Mais avec les amis de Encyclopédia Metallium, on va pouvoir le savoir rapide. Bon. Écoute, je voulais juste avoir un rapide topo sur Investigation, lui, depuis longtemps, mais Narc Muse, ça existe vraiment depuis cette année, dans le fond. Là. C'est... Voilà, ça explique. C'est ça.
OK. Ça apparaît, merci. C'est tout nouveau. Puis, allez consommer ça. Un autre avec... extrait, une autre nouveauté, si tu parles de nouveauté. Hein. C'est-à-dire? De ce, il y a un de, autre de projet que j'ai fait et qui est sorti aujourd'hui. Il y a un lyric videoclip d'une pièce de Noxium. N-O-X-I-U-M. En feu, Jeff, aussi. Ça s'appelle The Forbidden Delight. C'est du gros slamdette sale. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Toi, t'es là-dedans? Yep, mon cher. T'as peu, mais tu feat ou t'as peu? Je n'ai pas un bout, là. Ah non, j'ai écrit les paroles, puis je chante la toune. All right. Un genre de gros collaboratif. OK. OK. Cachotier va. Cachotier va. Et voilà. Vous êtes sur Indy? Ah, c'est pas avant. Ouais, c'est Indy. C'est Indy. All right, all right, all right. Yeah, baboune. Grosse baboune sale tout le long. Grosse baboune, man. Ça baboune longtemps avec une option. Yo, ben merci, bro. Chris, que. Oui, il y a en fait. C'est jeu. Pour l'instant, c'est rien que cette tune-là, mais il va y avoir d'autres trucs. On va sortir plein de singles, puis c'est des collabs là, avec plein de monde. Sur cette tune-là, si tu vas en dessous du vidéo, t'as pas mal tout le roster là-dedans. Okay. Merci, Max. C'est super gentil. Merci, Paige. Ouais, non, c'est bien joué. J'allais voir ça rapidement. On dit official line-up Panagotti Nazgul, Palor Mortis. Maestro Maleficus, pardon. Seigneur. Jeff Mott, Simon McKay de Diagonis au drum, Alexandre Brochu de Necro Gothic Gore Beast à la basse. Necrotic Gore Beast, excuse-moi. Et Nate Gilbert au solo, que je ne connais pas. Mixing Mastering, Giorgio Aguer à 555 Studio. Lyric Acid Brain Production, Lyric Vidéo. Merci, Jeff. C'est une belle référence. On t'envoie dans pas très longtemps. Enjoy the slam. Yes, toujours. Moi, tu le sais que c'est mon swag, style slam metal. Deux belles sorties en une journée. Ouais, Max Turpin ici, qui nous fait une petite référence. Nouveau Falls of Roros, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas, mais ça va peut-être sentir le recap prochain podcast. Je vais aller rapidement. Ben non, en fait, c'est pas mal fait le tour, Rusty. J'ai une une dernière sortie. Bon. Si tu veux. Allons-y, je t'écoute. Oui, le nouveau Animal as Leader est sorti, man. Au complet, man. C'est la grosse folie. Un band qui ont changé totalement la face de la musique metal instrumentale à l'époque, puis qui sont encore très, très, très bons. On va quand même écouter peut-être deux secondes, parce qu'il me semble que la dernière fois qu'on a mis du Animal au podcast, on s'est fait crissement burn les balls rapidement. Ils sont pas super gênés. Ouais, il me semble qu'on a déjà eu un rapide cut de podcast à cause de Animal. Fait que je vais vraiment mettre un petit extrait. Ha! Call you. Hey, c'est assez égal, ben on a... c'est juste assez... Tabarnak. Ouais, c'est ça. Animal à squat. Mais c'est bon, c'est vrai qu'on a comme du gen poussé tellement plus loin que le gen en général. C'est du gen fusion. C'est le premier band de gen à proprement dit avec périphérie. C'est les OG, tu sais. Ouais. Tant qu'à moi. Oh, merci pour. J'avais oublié qu'il y avait un nouveau Animal. C'est vraiment nice. Merci beaucoup de m'amener ça. Je termine cette introduction, mesdames, messieurs, avec notre habituelle hallucination musicale de la semaine. J'avais pas le choix de la trouver, celle-là. Puis je dis, comme Dom a pu le voir en intro sur la caméra, là, j'étais comme, je cherchais à la toune, je voulais la trouver. Puis c'est dans 13h49, même. Pauvre gars. Ça donne tellement pitié. Ah, le dude, il essaie de tout préparer son podcast en 10 secondes. Quand je me fais chier quand j'ai du retard là, même sur mes affaires. Mais à 0,55, 13,49, la toune Enter Cold Void Dreaming. Je trouvais ça hot d'avoir une hallucination dans un ben aussi sérieux que 13,49 qui nous a fait quand même assez peur quand ça passait au podcast, hein, ce ben-là. Oui, c'était Hellfire qu'on écoutait, nous autres, genre.
Hellfire! Est-ce que c'est beau, long, cet album? C'est un album vilain. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours drôle d'avoir une hallucination dans un band aussi fucking violent. Puis à 0,55, il dit les gros microbes. Là, ça passe le COVID, c'est dans le site, hein, guys? Tout le monde le pogne, c'est dans le site. En tout cas, les gros microbes, ça devrait pas trop être long. Passe vite. Clear as the bell. Je vais vous le mettre à 54-53, je l'avais noté trop précis. Qu'est-ce qui se passe, les gros microbes? C'est un truc cœur, hein? All right. Pour répondre à Max, je suis d'accord que Meshuga, c'est les OG, les vrais OG du gent, mais le terme n'existait pas avant, avant Animals and the puis Périphérie. C'est ouais. Ce que je voulais dire par là. Mais effectivement, les OG, je pensais Meshuga aussi. Avec les... Même dans leur époque trash, c'était déjà weirdo. On en parle souvent de l'album avec la statue de la liberté, dude, là. Calice d'affaires. J'avais aimé ça. C'est ça le pire. On peut poursuivre avec les reviews d'albums de la soirée. Un premier album qui est en fait ma sélection. Sélection influencée fortement par Max de Page Pagé qui nous avait proposé ça lors d'un podcast. Et le court extrait qu'on avait écouté nous avait séduit. BXN, groupe de black metal traditionnel. Étiquette black metal standard, rien de trop fou. The Poisonous Pat, qui est, je crois, dans leur dernier album, sinon le dernier album. Oui, je le confirme. Merci. Vraiment, ça sonne bien. On commence par le positif. La prod est agréable. La prod d'une prod black metal standard. Et je dirais que le Ben est un petit peu standard morbide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés du black metal que je connais beaucoup trop puis que j'ai peut-être overused à travers le temps puis que peut-être pas juste en tant qu'auditeur, a peut-être été overused à travers le black metal. Pagé, c'est pas arrivé souvent qu'on ait été déçu de tes suggestions, mais moi, ce soir, ça m'a pas... J'ai trouvé ça banal et un petit peu générique, et pour pas dire beaucoup de générique, parce que des fois, j'essaie d'être gentil, mais là, sérieusement, je vais être honnête envers moi-même, j'ai trouvé ça long. Puis j'ai trouvé ça un petit peu plat. Je te laisse poursuivre pendant que je trouve la pochette. Ouais. OK. écoute, moi, je suis un brin plus négatif que toi, Gab. C'est pas pour faire de la peine à personne, ni Pagé qui a suggéré l'album, mais la prod, je la considère comme trop bruyante pour son propre bien. Le drum est over, trop fort et souvent excessivement croche. C'est beau la drive de l'avant, c'est beau le grind, là, mais ça, c'est douloureux. Genre, le son du bass drum, on dirait que son cap a sauté ses pédales en même temps pour que ça fasse le plus gros puck possible. Puis ça me gosse énormément. Puis, tu sais, Dieu sait que si j'ai de la misère à endurer, ne serait-ce que 2 minutes de ça, cet album-là me semblait un fucking cauchemar à finir. C'est vraiment long. La fin, man, ah, j'étais avec toi, mais la fin des dernières tunes, j'avais vraiment le goût de peser du stuff. Bon, je passe à d'autres choses. Je suis tanné. Mais... c'est de valeur. T'sais, on voit que c'est un band qui ont de l'expérience quand même. Tu sais, ils ont starté ça en 94. Puis j'ai jamais écouté ça avant d'ailleurs cet album-là, puis j'ai pas trouvé que ça sentait l'âge des musiciens ne se manifestait pas. J'ai eu l'impression qu'ils voulaient peut-être se greffer à la vague Dead Spell Omega et tout le reste avec puis Funeral Mist, et je me dis... Faut que je le dise au public, on l'écoutait un peu, moi et Dom, chacun de notre côté, puis évidemment, à chaque fois qu'on review des albums dans la semaine, on sent trop se spoil nos opinions, on s'envoie des petits commentaires, des petits side commentaires, ouf, c'est pas bien parti, ou à date, c'est pas pire en crime. Puis Dom de m'envoyer, maman, je veux du Funeral Mist. Sa mère de répondre, on a Funeral Mist à la maison. Et de me mettre l'album de BXN, le Funeral Mist à la maison.
Ben, c'est malheureusement. Man, tu me fais rire d'homme. J'ai dit, ce gars-là, t'as de l'humour insuspecté. Tu sais pas à quel point t'es drôle, man. Christ, que c'était drôle. Ça. Merci, man. Il est allé à sa maison. Mais bon, you get it. J'ai pas été charmé. C'est, bon, le vocal est correct. C'est pas du screechy high stuff. On a déjà entendu ça récemment dans d'autres bands. Puis c'est ça, les riffs, j'en ai pas entendu des plus bons que d'autres. Les mélodies sont. C'est des riffs là, à demi-ton classiques. Pour vrai, c'est trop cliché. C'est vraiment genre, pointe ta guitare, puis je te dirais, Dom, fais-moi un riff black metal. Tu vas puncher un demi-ton, un mineur, puis peut-être un bémol 5 à la fin, puis ça fait, ok, voilà ton riff. C'est vraiment. Tu sais, dans de ce match, j'ai vu l'épisode. C'est dans quoi? Pas dans les Simpsons, c'est dans South Park. C'est dans South Park que les Griffins sont écrits par des espèces de dauphins ou des espèces qui pigent des thèmes de jokes qui se mélangent dans une machine puis qui créent une joke de merde à la Griffin. En tout cas, c'est un peu ça, BXN. C'est des riffs, des idées black metal que tu connais puis pigées dans un truc. Puis, en tout cas, je me comprends dans le peut-être pas ça. Ça dépend comment tu approches l'album puis comment. C'est quoi? Thème d'envie, tu sais, d'envie. Je suis pas en train de dire que personne devrait enjoyer ça. J'ai juste que moi, non, ça l'a pas fait. C'était de la torture. J'imaginais le gars de Dead Spell Omega se lever le matin. Hey les gars, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on avait fait un album. Puis c'était du BXN. T'sais. Mais juste avant d'inviter. Oh Chris, on a un spécialiste sur la ligne qui s'en vient. On a un spécialiste de black metal qui va nous dire ce qu'il en pense. Juste rapidement, il y a Max qui nous dit qu'il voulait saboter lui-même son Magic Street parce qu'effectivement, il était à 3-4 albums en ligne à nous proposer qu'on tripait. Ben oui, Max voulait montrer son humanité. Puis genre, je suis pas en train de dire que. Je te donne toutes les occasions du monde de me prouver que c'est un album appréciable, personnel. Et on va inviter le Mott Wizard qui est toujours présent avec nous, Mott Wizard, quand il s'agit de black metal maintenant. Il est présent. Grand Mott Wizard, seigneur des clés, qu'avez-vous pensé de BXN, Le Chemin Empoisonné? Le Chemin Empoisonné. C'est un chemin que peu emprunte. Moi-même, je ne l'avais jamais fait. Mais... je dois dire que malgré vos mauvaises critiques, qui sont en soi très justes, ce band roule sa bosse depuis plus de 20 ans. Et c'est à se demander comment ils font. BXN souffre du plagiarisme créatif. BXN aime imiter ce qui se fait dans le temps. Et c'est des doppelgangers sataniques. Ça ne fonctionne pas toujours très bien pour eux. C'est très malheureux car BXN sonne une tonne de briques sur l'album The Poisonous Path. Et... ça leur sert très bien, mais les compositions ne sont simplement pas mémorables. Effectivement, on partage cette opinion ensemble, grand seigneur Mott Wizard. Et voyez, un autre grand expert, tout comme vous, le grand seigneur McCaughey, quand il avait su qu'il avait vu son album, était amèrement déçu de notre choix en me disant « BXN, vous pouvez aller chercher vraiment mieux dans le black metal, les boys. » Puis j'ai fait « Bah, on connaissait pas le Ben. » C'est notre... on est rendu là, hein? Pouillot de discussion, si on connaît pas le Ben, c'est l'argument pour le mettre au menu. C'est rendu ça. Je dois avouer une chose avant de quitter. Oui, grand seigneur Mott. Lorsque Jeff m'a appelé pour me dire qu'il y avait un membre de black metal à écouter, je me suis trompé d'album au départ. Et je suis content de voir qu'au moins... ils ont amélioré leur drum, car j'avais écouté un album précédent auparavant qui s'appelait My Soul for His Glory.
Et mon Dieu, que le drum sonnait comme une collection de contenants de plastique de chez DMR. Oui, on te file, mon cher. Et non seulement au niveau du son, même sur The Poisonous Pat, le drum a une petite tendance à draguer le tempo de l'arrière, ce qui rend les riffs très, très vaches, très, très weird. Et Grand Mott Wizard, ta note avant de nous quitter, parce que ça prend une note. Je donne à cet album... pour sa production, la note de passage et sa véracité, 6 sur 10. C'est une sage décision, Grand Mott Wizard. Merci beaucoup pour ça. Et on se revoit dans... Non, on se revoit au prochain album de Black Metal, plutôt, cher Grand Sorcier. Au revoir, les pouilleux! Ciao, Grand Wizard! Très ouais, nice. On en met à toutes les semaines des bijoux. Ouais, juste, on met du black metal juste pour que le Grand Mott Wizard se pointe. Je poursuis pas très loin du Grand Mott Wizard dans ma note et je vais y aller un petit peu moins avec 5 sur 10. Ça, pour moi, ça n'a pas la note de passage. L'album n'a pas une longueur scandaleuse. Et tout comme toi, Dom, à la fin, j'étais vraiment écœuré. Puis je l'ai même dit à ma blonde, j'ai enlevé les affaires. J'ai dit, là, Chris, non. J'étais vraiment tanné. À la fin, j'étais tanné. Puis tu sais, le fait qu'on review un truc, si j'avais pas à review un album, je l'aurais arrêté, là, pertinemment. C'est juste dire, tu sais, dans ce contexte-là, si j'avais pas à l'écouter au complet, pour au moins être crédible, dans, tu sais, dans dire, ben oui, je me suis donné l'effort de l'écouter au complet, même si j'aime pas ça, ce qui est un devoir de podcasteur, I guess. Mais là, c'était désagréable. C'était pas une cool expérience. Parce que c'était long, puis j'avais hâte que ça finisse. Fait que 5 sur 10, man. Je pense que c'est une des plus basses notes. En tout cas, je me souviens plus de mon dernier 5 sur 10, mais ouais, 5 sur 10. OK. Fair enough. Comme je disais, j'ai vraiment pas trippé. Il y a beaucoup trop de bons black metal pour que je continue à porter attention à cette band-là pour l'instant. Peut-être que je pourrais retourner voir les autres albums d'avant, mais à ce qu'on me dit, c'est pas tellement mieux. Fait que sorry, tu sais, garde, peuvent pas être tous des winners. Là. C'est pas parce que tu fais du black metal et que tu es full deep dans ton concept de Satan que ça te fait faire des bons albums par défaut. Et c'est pour ça que je lui donne un très léger 4. Ouf, je pense que tu as donné la même note à Venom. Ouais, à peu près. Ah, mais Max, on t'en veut vraiment pas. Hein. Non. Puis t'as vu beaucoup de shows, hein? T'as vu beaucoup de shows récemment. J'ai hâte que tu te pointes à la fin à ta chronique. J'ai des questions pour toi. Ben, je trouve que vous avez vu beaucoup de spectacles récemment. Des beaux articles d'ailleurs, hein? Max Pagé, il écrit pour Thorium Magazine, puis checkez ça le shit, là. Tout est là. Ça boucle la boucle. Pas super verdict pour BXN. Et bon, puis bon, ton mime valait 1000$, là. En tout cas, le BX, le funéral miss à la maison, c'est l'album de BXN, ça me fait rire. Puis c'est étrangement tout à fait dans la même lignée esthétique que le prochain album qu'on a choisi au hasard. Faut le dire, c'est un tirage. Prochain album qui a une autre pochette de capine. J'ai vraiment trouvé ça drôle quand j'ai fait le Photoshop. J'ai fait « Ah, oh, ben, coudonc, c'est un spécial sorcier à capine. » D'où la présence du Mott Wizard. On n'a pas le choix, tu sais. Souls of Black de Testament. C'est ma première four avec Testament. J'étais complètement vierge avant. J'avais une idée de ce que c'était. Mais c'est la première fois que j'écoute du Testament, pour vrai. OK. Donc, pour moi, l'expérience est positive, mais 100%. C'est vraiment... Quelle belle découverte pour moi. Ça sonne vraiment... Puis je suis allé écouter d'autres testaments, fait que je peux confirmer que cet album-là n'est pas celui qui sonne le meilleur au niveau de la production, parce que je suis allé voir ailleurs des albums conjoints dans le era, puis j'étais comme, OK, cet album-là est particulièrement bizarre au niveau de sa prod, un peu. Seul défaut apparent, rapidement comme ça à l'oreille, c'est que le vocal est beaucoup trop métalliquesque. À un moment donné, ça gosse parce que c'est vraiment trop proche du tone et de la prononciation. Mais pas tout le temps. Puis tu vois, quand il s'en éloigne, j'aime ça. Quand il s'éloigne du ton de Metallica-esque, je trouve ça plus grimy. Ça se rapproche pas sans être dans le death metal, là, mais ça a de quoi de vraiment... Ben, au niveau de l'étiquette, c'est du trash, là. T'es d'accord avec moi? C'est du pur fucking totalement, bon trash. Totalement. Trash avec des influences heavy traditionnelles, comme toutes les bandes de trash, finalement. Mais un vocal beaucoup moins Waluigi-esque. Tu sais, on le sait que souvent, quand on review du trash site, on arrive toujours à la conclusion, bah, c'est un ben allemand, puis il sonne comme Waluigi, puis ça gosse. Là, là, ça gossait pas. Fait que ça gosse pas un ben allemand. So... pur B.A.R.A. qui appelle, en effet. Ben, tu sais ça. Fait que pour moi, c'était très appréciable. Et autre truc qui m'est sauté à l'oreille rapidement, c'est Saint-Ciboire la guitare torche. Les guitares dans ce ben-là,
torchent des putains de as de la guerre, là, mais vraiment des gros solos metal rock intelligents, des phrasés plutôt originales pour l'époque, je te dirais. Ça a de quoi de créatif, ça pousse le trash de cette era-là un peu plus loin que les autres groupes, justement. Puis c'est là que c'est le fun. C'est dit, ben, tu sais, sans être créatif comme du death, puis être agressif, puis comme du death, le groupe, là, puis l'étiquette aussi, sans être du death metal, puis aussi fucké que du chuck. Merde, il y a de quoi de super créatif pour du trash de cette époque-là, je trouvais dans les tunes. Les tunes sont un petit peu plus longues, plus variées, plus de changements de tempo. Mais ça reste des bons tout-pas, puis l'efficacité du trash est là. Fait que, expérience positive pour moi, Souls of Black. Je sais que chez toi, ça n'avait pas l'air d'être la même chose. Ben, écoute, non. C'était loin d'être... je l'avais déjà écouté, l'album, tu sais, puis la toune, juste la toune titre, Souls of Black, est un gros classique de Testament, tu sais. Fait que, quand je vais réécouter cet album-là, c'est surtout pour la toune éponyme. Pour ce qui est du reste, la prod, je la trouve fade. Il y a un peu trop de reverb dans le drum. C'est une caractéristique des albums de ce début 90. T'sais. Par contre, je trouve que les guitares sont un peu thin. Le ton est vraiment... Il n'y a pas un gros mid-range. Fait que tu sais... Il y a un petit côté in your face que j'aimerais entendre dans cet album-là, que j'entends dans les autres albums de Testament que j'ai pas là. Puis musicalement, je trouve pas que la... Je trouve que, oui, il y a des bonnes tunes. Je dirais que la troisième tune, là, j'ai de la misère à me lire. Je pense que c'est Falling Fast, du gros trash, y a du vocal death. Probablement une des premières fois que justement, le chanteur Chuck Billy... Plus dreamy. Ouais, qui s'est permis ça. Puis la tune Souls of Black. Le reste, c'est quasiment du filler, tu sais. Je dirais que, genre, t'as comme la balade de Legacy à la fin qui est comme, OK, ben c'est de quoi différent, mais c'est pas tellement ce qu'ils font de mieux non plus, tu sais. Fait que, I don't know. Moi, tu vois, c'est dans mes tunes, il y en a... Ah, voilà, c'est la 7, Malpractice. Moi, elle m'a vraiment fait triper. Tu sais, je te disais, hier, je cherchais une tune dans plus la fin de l'album, je dis, elle était plus longue, elle était plus prog que les autres. Je pense qu'il y a deux solos de guitare presque en ligne, là, comment que c'est de la C'est Alex Kolnick. Il fait... Ça fait péter la gueule de Git, mais pour vrai, c'est comme quelqu'un qui fait t'aimes la guitare. je vais en parler un peu parce que Alex Kolnick, décidément, un des meilleurs guitaristes de trash ever. C'est un élève de comme bien d'autres de M. Joe Satriani. Le gars, il a un feeling plus jazzy. Mais garde quand même la férocité du trash, ce qui en fait vraiment presque... Je l'aime presque autant que Marty Friedman. Excuse, désolé. C'est vraiment... pour moi, c'est ça qui monte les points. T'sais, quand je vais écouter du Vieux Testament, c'est genre, ouais, ben, tu sais, ça a bien beau être nice après avec James Murphy et compagnie, mais si je veux entendre un vrai Chris de mon solo de trash, Alex Kolnick, là, c'est genre « Holy fuck, il est sa sauce, il sonne bien. » C'est sauceux, mais ça n'a pas rapport. Là. Il y a des solos. Puis heureusement que les solos, peut-être, sont là pour sauver la game, parce qu'effectivement, comme tu le dis, les riffs, c'est pas peut-être les plus originaux. Mais on me disait que dès qu'il y a un solo de guit, tu te réconcilies tout de suite avec la tune, t'es comme « Ah ouais ». Puis souvent, le backing track va être cool. C'est soit des... Je trouve que les backing tracks de solo sont toujours très nice dans cette band-là. Ce qui fait que le solo est vraiment jamais plate, ça embarque, le groove en arrière est sick. Puis lui, man, ça groove, il y a une approche... tu sais, les solos de métal, souvent, c'est sec, puis l'approche blues est plus ou moins là. Puis je trouvais que dans ces sticks, c'était des solos intelligents. J'ai dit, man, ça groove, ces solos de guitare. Il y a des hosties de phrasés, puis rythmiquement aussi, il sait où ce qui va. Man, c'est capoté. Mais c'est toujours lui, il n'y a pas deux guitaristes. Parce que des fois, il y a deux sons, des solos. OK, c'est ça. Ben, il y a deux guitaristes. Il y en a un qui fait les rhythms, principalement. Monsieur Eric Peterson, celui qui compose les tunes de Testament du premier jusqu'au dernier album. Fait que, tu sais, c'est une riff machine. T'sais, il fait des solos de temps en temps, mais c'est loin d'être particulièrement génial. Par contre, Alex Kolnick, lui, justement, dans les années 2000, s'est mis à faire des albums de jazz on the side. Ah, voilà, c'était ça qui explique le... Ceci explique cela. Oui. Puis, j'allais dire, je trouve que
aussi le drum, quoique qui est très bien joué, très bien pensé et tout, je trouve qu'il manque un peu de férocité lui aussi. C'est pas du Dave Lombardo. Là. Ouais. Qui vient de prendre la relève de Testament récemment? Oui. C'est une belle grande nouvelle dans la culture. On écoute un court extrait de l'album Souls of Black de Testament et après, on invite évidemment notre Jeff Mott national à venir nous parler vite vite de son opinion sur cet album. J'ai mis ça à botch parce que moi, j'ai pas mal aimé ça tout le long. C'est court comme album, ça se digère bien. Ah oui, mais je suis tellement arrivé dans mon bout de préféré. Là, ça part la toune. Il y a tellement de solos, c'est tellement hot. J'ai vraiment trippé cette toune-là. Puis ouais, ben c'est de la bonne vieille crise de musique de Pouilleux. On s'entend. War Jacket, skinny jeans, cheveux longs, odeur de poêle et de weed. on invite notre chum I Am de. Non, c'est même plus. Excusez, c'est le vrai Jeff Mott qui s'en vient ben actuellement. Oui. Je vais lui laisser changer son nom. Là. C'est parce que là, il n'est plus la mode. Ouais. Ben lui, je pense qu'il est déjà fan de Testament, là, pareil. On pense qu'il en a déjà même. Ben ouais. Testament, man, c'est un de mes staples. Là. Mais c'est sûr que j'ai commencé à préférer Testament, par contre, au moment où ils ont commencé à inclure des growls death metal. Puis là, tu parles en tabarnak. Là. C'est-à-dire à partir de quelle era? À partir de l'era l'eau. De Gathering, en fait. Non, il y en a dans Démonic, c'est quasiment. All the way that metal. Wow. Ouais, quasi démonique qui commence avec aussi l'intro d'album le plus débile mental de tous les temps, le 5, voyons, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6. Puis la toune à part, c'est fucking malade, c'est vraiment cool. C'est clever. Ouais, super clever. Puis, c'est l'époque de Gino? Oui, c'est ouais, Gino en mix les drums là-dessus. Ouais. Est-ce que ça rentre, man? Mais pour ce qui en est de Souls of Black, moi, ce que j'ai trouvé justement qui manquait à cet album-là, c'est Gino. Ouais. Quand Gino, il aurait fait une esti job de malade. Gino ou Dave? Pour ceux qui ne savent pas, Gino, c'est Gene, mais bon, nous autres, Gino. Ouais, mais c'est Gino Glenn. Ouais, c'est ça, c'est Gino Glenn. Ce sont des noms que tout le monde le connaît. Mais Lombardo, man. C'est les deux meilleurs drummers que Testament ont eu. Sur cet album-là, je me rappelle. Deux meilleurs drummers ever. C'est ça qui arrive. T'sais, ils sont tombés esti sur deux des bests, puis ils ont un des meilleurs guitaristes. En fait, deux des meilleurs guitaristes. Dans ce temps-là, c'était un gars qui s'appelle Louis. Louis Clemente. Qui était là de 87 à 92 quand même. Il était bien correct. C'est un bon drummer, solide, mais c'est plus un drummer de thrash metal traditionnel, plus qu'un drummer qui va vraiment essayer genre de mettre son propre style dans la musique. T'sais, le gars, il joue 1-2-3-4, 1-2-3-4. Il est solide. Non, il est drôle. Mais that's it. Puis, en fait, moi, cet album-là, j'ai toujours apprécié. Effectivement, un peu comme Dom, là, à cause de Souls of Black, la tune titre, qui est vraiment excellent. Puis c'est drôle que tu parles de Malpractice, parce que c'est vraiment une de mes tunes favorites aussi là-dessus. Hey, hop, cette tune-là, man. Ouais. Ouais, man. Very cool fucking shit. Écoute, c'est un bon album, mais comme je dis, c'est ça. Il manque la petite coche, genre, de un petit peu plus d'agressivité. Quoique, on la retrouve un petit peu aussi, quand même, avec Chuck Billy, qui déjà laisse des petites traces de son petit growl quand il va chercher un petit ton un petit peu plus grave là, à sa voix ici et là dans l'album. C'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment appréciable. Petit geste. C'est un bon album de trash. T'sais. Ben oui. Pour toutes ces notes, j'y vais avec un... C'est pas généreux, c'est objectif. 7.5 sur 10. Bon, ouais. Ça manque bien des trucs pour aller chercher du 8 là, pour que ça soit cool puis vraiment quelque chose de référable à n'importe qui. Mais pour le fan de trash moyen, c'est de la sauce, c'est de la crise de bonne sauce. Les sauts de guide sont si cool. Album très court, donc petite traite de char. Là. C'est vraiment le fun, vraiment agréable, une belle expérience. Ton côté, Dom. Yes, pour ma part, comme je te dis, j'aime bien l'album. Il n'est pas parfait. C'est pas le plus mémorable. C'est pas le mieux produit. Par contre, comme tu as dit, une couple d'assez.
quelques excellentes tunes et je dirais une autre moitié que je me serais passé. Mais ça reste du testament. Testament, c'est chie de l'or tant qu'à moi. C'est nice. Ouais. Ça reste quand même dans mes moins bons testaments. Je dirais que tu pourrais triper pas mal plus avec n'importe quel autre album. C'est pour ça que je lui donne un 6.5. C'est décent. Pour du testament, on s'entend. C'est probablement meilleur que bien d'autres affaires ouais. Au final. C'est comme. Je sais pas si c'est à toi que je disais ça en intro. Je trouve que c'est comme du Metallica, mais X, un petit peu plus poussé, un peu plus. Je sais pas. Metallica XL, man. Moi, j'allais dire X1000, mais c'est peut-être pas. Je voulais pas exagérer, non, 1000, là, mais. Pas oh, d'accord. 1000, mais non. Je vais y aller un petit peu bas aussi, comme vous. Puis je vais y aller avec un 7%. C'est un bon album que je réécouterais. Un 7%, un 7 sur 10, dis-je. 70%. Oh, ouais. C'est un album que je réécouterais, ouais, effectivement, ici et là, parce que c'est un bon album de trash. Puis, tu sais, c'est du bon vieux Testament. J'aime bien. Mais honnêtement, je préfère Chrissy Malpractice puis Souls of Black dans une playlist Testament avec toutes mes tunes favorites. Ouais. Parce que Testament n'écrit pas tant des albums autant qu'ils écrivent des tunes puis ils font des albums avec. Puis ils font des hits, à ce que je comprends. Ben, crissement, man. Je pense que chaque album a comme sa saveur, mais tu vois qu'ils écrivent des tunes, qu'ils n'écrivent pas un album avec un concept. Ils gardent ça pour Trans-Siberian Orchestra, pour Skolnick, puis pour Dragon Lord, comme le disciple ouais. De Page, avec Eric Petter. Excellent aussi. Si t'aimes le black metal symphonique, style Dimmu Borgir, super trashy, puis intense, là, Dragon Lord, c'est bien. Avec une excellente dose de Tupa, man. Yo, ben oui, j'avais déjà un album pour la semaine prochaine, mais là, vous me donnez le goût en crise, mais j'avais Gab McCargue. On a plusieurs, vous savez, vos podcasts sont entourés de belles références, de beaux chroniqueurs et d'experts qui nous proposent tous des trucs. Puis j'ai une petite proposition à Gab, là, qui, lui, il est intéressé à nous faire voyager dans des trucs plus smooth, mais qui a encore des tendances métal. Puis j'ai dit, OK, peut-être. Là, vous me dites d'écrire ça du Tupa, ça s'appelle Dragon Lord. Je suis comme, ben oui, mais je vais écouter. Ah ouais, on se le garde pour. Ouais, à moins que tu veuilles le choisir cette semaine, Dom, c'était le goût de mettre du Dragon Lord au menu. Non, j'avais déjà un plan. Machiavélique, j'espère. Bon, encore une petite loterie. Là. J'aime beaucoup ça, faire ça. Ah, c'est cool, la petite loterie. C'est vrai que les petites loteries, c'est chill. Bon, ben mon Jeff, on s'en va dans pas très longtemps pour les choses sérieuses. C'est pas loin, go! Les choses sérieuses, c'est-à-dire le combat de ce soir, mesdames, messieurs. Oh, Advance, Pouilleux et Destruction Metal Battle vous présente ce soir Bruce Dickinson et Rob Alford. Un combat qu'on a choisi un peu pour représenter le old school metal dans ses fondations. Deux racineux, des gens qui ont influencé tout le reste par la suite. Je veux dire, si tu parles à des artistes de metal moderne, ça soit Slayer, Pantera ou name it, tous des gens qui vont drop Rob Alford ou du vieux Iron Maiden ben, peut-être pas Pantera, mais tu sais, plus moderne, c'est des influences majeures pour tous. Je pense que tout le monde à quelque part, puis c'est extrêmement populaire, tout le monde connaît les classiques de ces deux groupes-là. Deux vocalistes talentueux, hors pair, qui ont un style unique, qui se distinguent hein, aussi, on s'entend, surtout Rob Alford, ça a vraiment amené son swag à lui dans cette culture métal. Eh bien, c'est ça. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose d'autre avant que je me lance dans le partage du trailer? Parce qu'on se tapait les chics pareil. Écoute, ça va être un combat très difficile. Très, très, très difficile. Au même... c'est quoi le dernier combat vraiment difficile qu'on a eu, Gab? Moi, le dernier tough, c'était qui? Non, je n'ai pas eu de temps vraiment fou difficile. Manowar, Mortien. Je pense que Mortien, ouais, Manowar, c'était tough. Mortien, Manowar, c'était vraiment tough. C'était vraiment tough, oui. c'est quoi votre plus dur, Manowar, Mortien? C'est vrai que c'est tough. moi, personnellement, je suis vraiment déchiré parce que j'adore. Hey, ça va déjà, bouge pas. Ça, Iron Maiden, et il a fallu que je fasse beaucoup de soul searching pour en arriver. Pardon, voyons. Une conclusion. Hey, ça commence déjà. Alford, un vote. Damn! Bruce, un vote. Et un autre. Hey, OK, man. Et un autre à Bob. C'est bon, c'est commencé. Ben, vous commencez le concept, Joël.
Je vais l'expliquer rapidement, excuse de te couper, Dom, mais là, on vient de commencer le combat. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, eh bien, le combat, c'est assez simple. Dans les commentaires, vous pouvez voter pour qui vous pensez qui gagne, qui est le plus metal entre Bruce Dickinson et Rob Alford. Oh, merci, Dom. Tu as des bons conseils, tu vas l'aimer. C'est doux en bouche. C'est doux en bouche, man. Ça te caresse. Ça te caresse la gueule. Smells like good fucking IPA. Ah oui, c'est bien ça. Ça va t'amuser. Tout ça pour dire, c'est ça. Donc, ceux qui sont habitués ont déjà voté, mais vous pouvez voter. Moi, j'ai un vote. Dom a un vote. Jeff a un vote. Et la machine PlayStation a un vote, puisqu'on écoute le combat de lutte ensemble. Combat qui a été fucké. Je veux dire que la machine, elle savait pas trop. Je pense que de tous nos combats, c'est un des plus serrés. Dans le sens qu'à l'année, la machine, j'étais comme, mais là... Ben, c'est sûr, dans ce jeu-là, 2-3 pins, puis le lutteur perd, tu sais. En tout cas, je vous spoil rien. Asti. Mais en tout cas... Gros match à soir entre Bruce Dickinson, Rob Alford, et ça me permet d'enchaîner rapidement avec, avec le trailer. Bruce Dickinson versus Rob Alford. Un combat mettant en vedette Bruce Dickinson, chanteur leader du légendaire groupe Iron Maiden. Il s'entraîne depuis plusieurs années à courir dans les montagnes et il ne connaît pas la peur de l'obscurité. Il affrontera Rob Alford, chanteur leader du légendaire groupe Judas Priest. Il brise les lois comme il brise les mâchoires. Il est un icône de la mode pour tous les fanatiques de motocyclettes. Le tout à Pouilleux et Destruction, mais pas ballon! Ben, you know, c'est comme ça que ça se passe dans le monde nouveau. Un combat maintenant, je vais être... Alors, Bruce, tranquille, au niveau des stats, oui, Jeff est là déjà. What's up, Jeff? je vais juste regarder rapidement les stats. Donc, Bruce Dickinson, agressivité 12, dextérité vitesse 13, constitution endurance 17. On y va vraiment fort dans l'endurance. Hey, pense man, que... Chris, à le voir courir de gauche à droite sur le stage de même tout le temps à chaque show, là, puis encore à presque 60 ans, man. Au-dessus de 60 ans, je sais plus. Oh, il est plus vieux que 60 ans. Il y a 65, je crois. 65, quoi, quelque chose de même. Je pense qu'on s'est tous fiés à ses performances live pour y aller, parce qu'évidemment, je rappelle aux auditeurs que les statistiques sont faites une moyenne de nos trois chiffres. Donc, évidemment, sur une échelle de 20, comme les vieilles feuilles de Donjon Dragon des années 90. Et en fait, c'est carrément le modèle de Donjon Dragon années 90. Et ben, c'est ça, on choisit ça ensemble et je fais une moyenne de nos trois chiffres. Donc, unanimement, sont arrivés à 17, c'est que ça allait fort, on y croyait. Intelligence technique, 15. Sagesse et créativité, 16. Charisme et charisme, 17. Beaucoup de bands dans sa bio que je connaissais pas, dont Shots et Samson, chez Bruce Dickinson solo. Samson puis Shots. Ça, c'est du metal. Ben, c'est Encyclopédie là, qui m'a sorti ça, évidemment. Et on est dans les... mauvais comme nom de Ben. Très mauvais, peut-être, oui. Mais, The Page nous corrige. 63 ans, monsieur Dickinson. Oh, quel homme. Évidemment, le lutteur qu'on a fait, c'est basé sur un Bruce Dickinson d'une époque qu'on considérait son époque la plus rock, son époque où il montrait sa graine dans ses pants les plus funky. On est vraiment allé dans cette era-là. En plus, je l'ai vu cette semaine, Bruce. Ben oui. C'est une fucking personal. On remercie la très charmante Tania qui est juste là-bas. Là. Moi, je la vois bien, mais pas vous. qui a upgradé nos tickets. Puis j'étais drette en face. OK. Drette en avant, première ligne. Okay. Mais Bruce parlait à tout le monde, il m'a jamais regardé. super intéressant. Le gars est entertaining. J'ai ri plus qu'à certains shows. Il y a quelqu'un qui a dit ça à un moment donné, puis j'ai fait comme c'est vrai. Si tu ris plus qu'à certains shows d'humoristes que tu aurais payé plus cher pour l'étiquette. OK, il est drôle à ce point. Ah non, c'était pissant, là, pour vrai. Là, on était entertainé toute la soirée. C'était vraiment cool. Puis il nous a même, à l'entracte, fait une petite fleur. Puis il a mis le vidéoclip vraiment cool, vraiment imprégné de plein d'histoires de Maiden dedans, du dernier single là, de Senjutsu. Qui s'appelle The Writing on the Wall, le premier single, dis-je, de Senjutsu, le plus récent album là, de Maiden, en gros, grands écrans projetés, man, avec le son esti dans la salle, c'était malade mental. Le clip, il est tourné,
c'est une animation, mais c'est comme si tu regardais un film. Fait qu'il y a une moto qui passe, t'entends la moto passer. Mais dans la salle, t'entends la moto passer, t'as l'impression qu'elle te roule sur les pieds. Estiment, c'est violent, c'est vraiment cool. C'était une belle petite attention. Puis il répondait à des questions de manière absurde à la deuxième partie du spectacle. Très, très cool, gars. Moi, j'étais un peu télégraphié, là. C'est tout de suite que tu peux noter un vote de ma part pour Bruce Dickinson. Ben, c'est un peu, je peux mettre déjà ton Bruce de ton bord. Là. Écoute, man, ce gars-là fait tout. Il est champion d'escrime par deux fois. Pilote d'avion. Il a une école de pilotage. Il a déjà sauvé, man, avec ses skills de pilotage. Il a pris de son temps pour sauver une fucking tortue qui devrait être dans le coin des îles Galapagos, qui s'est ramassée esti sur les côtes de l'Irlande. Lui, il est allé chercher ça, il a fait « fuck it, man, faut la rapporter d'où qu'elle vient ». Puis il est allé apporter esti lui-même, Chris, « fuck it », avec son propre avion. Il est malade. Quel homme, esti. Quel aïe, aïe, aïe. Non, je sais. Le gars-là est malade mental. Moi, je me doutais que tu avais voté pour lui. Puis oui, effectivement, il est... ah oui. Là, tu me parles de sauver des tortues. C'est sûr que tu viens me chercher dans mon cœur. Puis là, je l'aime. il est incroyable. Ah ouais, puis sa carrière aussi est incroyable. Je veux dire, ben ouais, mais écoute, rapidement, on va quand même passer. Carrière solo aussi. Tu sais, on n'a pas parlé de sa carrière solo. Puis juste dire que le gars a quand même, genre, je pense, 5 ou 6 albums solo à lui-même dans sa carrière. Puis c'est tout fucking de la grosse bombe. Puis il nous a dit qu'il en prépare un nouveau en plus. Bon, on passe à Rob, c'ti. Mr. Painkiller. Voyais-tu le reader de vidéo, vous autres? Vous voyez juste l'image? En tout cas, peu importe. Je vois ce qu'il faut qu'on voie. Parfait. OK, c'est bon. Humain. Ça, c'est pas rien de surprenant. Je l'ai mis Neutral Good. On a mis Loyal Good à Bruce, mais Neutral Good. Strongest Activité. C'est une des rares supériorités statistiques qu'on a mis. Il tombe plus agressif que Bruce Dickinson. 13 en vitesse dextérité, constitution endurance. 13 intelligence technique. 14 pour, sagesse créativité. 13 charisme. 17. Il va à côté dans le charisme. C'est ça qui arrive, c'est que malgré le fait qu'il a l'air générique un peu, man, il y a du swag, Rob. Ben oui. J'ai mis dans les skills Raw Rocker, Lawbreaker et Jawbreaker. Pour ceux qui connaissent. Puis, mais c'est pas vrai, une influence pour tout le monde. Et je crois que Nintendo ont dû écouter du Judas Priest parce que je crois que c'est Rob Halford qui a fait la première voix de Toad ever. This is the painkiller! Ah, il est tellement cartoonesque, surtout dans le tueur de pain, là, c'est assez l'enfer. Une statistique. Évidemment, Bruce, il va un petit peu plus fort au niveau des stats, mais écoute, Rob Halford a tout à fait d'autres savoureuses. Ben écoutez, juste le struggle d'être homosexuel dans cette culture-là, à cette époque-là, c'est quand même déjà hot. Puis que le fait qu'elle réussit à dans Coming Out, puis à toujours poursuivre, puis ça n'a rien altéré de son icône Ness metal, puis badass. Puis ça n'a jamais été non plus une raison de son succès. Tu sais, il était hot parce qu'il était flamboyant, mais ça finit là, tu sais. Ouais, ça n'a jamais été important dans le truc, mais pour lui, en tout cas, pour avoir lu un peu des entrevues avec le dos, puis tout, c'est pour lui, ça a été quand même un truc, là. Dire, ben ouais, pis... Le pire, c'est qu'il a Coming Out dans une toune bien avant Jawbreaker, là. qui était, je sais pas, I saw quelque chose, en tout cas. Puis il dit, il y a un seul fan qui s'en est rendu compte que c'était ma toune de Coming Out, tu sais. Il dit, personne n'avait flashé, tout le monde continuait à trouver que c'était badass, que je parle d'un gars de nain, puis blablabla, blablabla, puis tu sais. Il dit, il y a un seul fan donné qui m'a écrit un letter qui était comme, qui s'en est rendu compte, puis comme, ben oui, c'est toute évidence. Ben ouais. Au-delà de ça, écoute, on l'a parlé, icône fashion, débile. Arrivé avec la moto sur le fucking stage, c'est devenu lui puis Manowar, c'est pas mal les motos warriors du métal. Mais c'est lui qui a starté ça. C'est l'OG Metalhead, c'est le Metal God. Puis, tu sais. C'est le Metal God pour vrai, c'est son Yankee. Oui, c'est exactement. Okay, mais Manowar croit en lui, là, dans le fond. J'imagine qu'il n'y aurait pas de Manowar sans Judas Priest et Rob Halford. Puis je dirais que même que c'était spécial, sa façon de chanter, surtout dans les années 70. Absolument. C'était très, très, très pas commun ce qu'il faisait. J'étais un gros fan de cette époque-là.
C'était pas autant métal par-dessus métal comme maintenant. T'sais, tu voyais que c'était un band qui cherchait au travers du prog et du rock des années 70, mais qui ont vraiment trouvé une manière de sortir du lot. Oui, ben écoute, Judas, on l'a écouté ensemble hier d'ailleurs. On n'a pas juste écouté Diane. Oui, Jeff, qu'est-ce que on l'a vu ce que tu bois, mais. Ben ouais, oui. Non, mais je le montre quand tu veux. Ok, je pense que tu l'as. Je checkerons ce que je bois. Rapidement, goody, puis dis-nous ce que ça goûte. Beau écoute, regard. Elle m'a appelé, c'est une beau regard, puis elle s'appelle Swef. Ouais, j'ai vu, oh. C'est nice. C'est très nice. Tu sais, je le remets là. Swef. Avec alors, une petite part dans le haut, fait que c'est un côté métal. Check ça, c'est brun, sti. Mettant la soif qu'en effet. Je vais pas chercher ma deuxième tout de suite, je vais attendre un match de lutte. Juste pour rappeler, parce que là, il y a comme une gang de monde qui vient d'arriver. C'est le combat Bruce Dickinson versus Rob Halford. Alors, vous votez pour votre artiste qui vous considérez le plus metal ou votre artiste préféré ou la band que vous préférez dans cette gang-là. Il y a déjà des votes de comté. Vous pouvez vous mettre au vote. Moi, j'ai un vote, Jeff a un vote, Dom a un vote, la machine PlayStation a un vote. Et ça va partir dans pas très longtemps. Donc, si vous avez un vote à faire, faites-le maintenant. Avant que Dom revienne. Et puis, cette bière, est-ce qu'elle est bonne, Jeff? Oh! Hey, man! Des levures Vieck, genre, c'est un peu... c'est presque laiteux, genre, un peu. Puis, il y a comme un côté café, genre. Fait que c'est comme un peu café au lait, puis c'est heavy, là. Je sais pas si je m'ouvre une deuxième. Mais en même temps, sirupeux, c'est une belle petite noire. C'est vraiment cool. C'est très peintable, effectivement, comme ils disent. Oh, un vote pour Rob Halford. Une des meilleures quotes de Jeff Mott. Alors, on a déjà des votes. C'est déjà très serré. Et on ne l'entendait pas sous-serré. Sur papier, Bruce Dickinson et sur statistique, Bruce Dickinson était le favori. Et je me disais bien que... Hey, ben c'est quoi j'ai lu aussi? Rob Halford s'est déjà menotté sur Andy Warhol. Entre autres, c'est une vie de rock and roll. Le gars, ce qu'il raconte dans ses tunes, c'est évidemment fantastique, un peu romancé, mais c'est un fucking real badass. Le gars, il a Live Bad Midnight pour de vrai, là, genre, puis c'était vraiment c'est pas du fake metal. Là. Ben ouais. Le golem de Bruce Dickinson a un vote de la Flan, qu'il appelle le golem. De... avec Flan, Flan qui confirme que la statistique dominante chez Bruce Dickinson. Était le charisme. Donc, il a noté que le combat... Ah oui? Ben oui. Le combat a lieu en deux concerts. Dans pas long. Il y a Junior Spreeze dans pas long, à Montréal. Ouais, je me rappelle plus exactement c'est quand. Là. Qu'est-ce que je suis pas au courant? Carlis. Ben. Puis, tu me dis qu'il y a... Ben, entre Bruce Dickinson, évidemment, qui est passé récemment. Ouais. Spectacle auquel tu es allé, mon cher Jeff. Ouais, mercredi dernier, ici à Montréal. Puis c'était, je pense, vendredi à Québec. Ou jeudi. J'attends juste le Dom et on passe ce combat-là, ben ouais, gang. Part, le petit combat. Hey, man! Le petit combat. Je suis excité pour ce combat-là. T'as pas le forcé petit combat. Idée, man, ça me fait capoter. Je suis comme... Depuis le début de la semaine, ben en fait, depuis le début de la semaine dernière, même avant notre petite intermède de fin de semaine, plein de hype. Ah, oh, ouais! Aïe, 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 ok, hey, man, t'as peu, là, je retrouve pas. Stressé de voir si Bruce va supplanter Rob ou si Rob va revenir, parce que les deux, ils ont comme, je sais pas. Oh là là, man, t'as peu, faut que je retrouve. Oh là là. D'ailleurs, je suis très surpris qu'il n'y ait pas un 18, voire un 19 de charisme, Rob Halford. T'as peu, là, je cherche mon vidéo, Caroline, que je t'ai peur. Moi, j'y avais mis 18. Je trouve que Rob Halford, il mérite d'avoir plus de charisme, juste avec sa prestance, toutes les astuces qu'il avait. Même pendant la conférence de Bruce, Bruce, il racontait qu'il avait, il disait, I have shoe envy. Il enviait le footwear de stage de Rob Halford, qui disait c'était tout le temps badass, il y avait des grosses bottes avec plein de studs, puis quand c'était des running fucking cool, toutes noires avec des lignes nice puis des beaux designs, puis c'est ça, puis parce qu'il racontait qu'à un moment donné, il y a une photo de lui pendant la tournée de Fear of the Dark où son designer, il avait dit qu'importe ces choux-là, puis plusieurs années après, il s'est rendu compte, tabarnak, tu m'as acheté
des Michael Jackson designer shoes. Ouais. Ouais, c'est écrit MJ sur la photo sur Alan. Des Michael Jordan. Ouais, puis genre c'est pas, tu sais, ils pensaient qu'il y avait des studs, mais c'était comme des espèces de petits sequins là, des petits diamants, faux diamants. Là. C'est super drôle, man. On n'est vraiment pas là, en tout cas, au niveau de notre lutteur à soir. Bruce Dickinson est juste en running, mais c'était son style. C'est son classique style aussi, là. Pas dans toutes les tournées, mais je sais qu'il est en running blanc en crise. Oh, excuse-moi. Oh, ben, saving Slave the World Tour. On est déjà là? Ben là, man. Ben là, man, moi, je t'attendais juste toi, là. Le monde a voté. J'ai même pas voté. Oh shit, t'as raison. On vote avant. Sorry. Moi non plus, j'ai pas voté. Mais tu sais, j'ai. J'ai même pas dit mon avis. C'est vrai, il me dérange pas. Ton avis. Ben, non, excuse-moi, man. J'étais honnêtement trop stressé. Ben oui, je te laisse le temps que tu veux. J'étais juste tellement stressé. Il pourrait souvent que ça soit caméra. J'ai eu un estime malaise. Mais pour vrai, j'ai eu un estime malaise live du genre. Non seulement, j'attendais que tu arrives, mais on disait quand je cherchais le vidéo, puis là, Jeff parlait. Puis, man, j'ai vraiment eu peur que la vidéo, je l'avais pas. Je vous jure, les gars, j'ai hâte de regarder à replay, là, ça a disparaître dans mes yeux. Jeff parlait, là, puis à m'amener, je t'écoutais plus pantoute, là, puis je draguais dans mes affaires. J'ai dit, où le vidéo? J'espère que je l'ai exporté du Reason. En plus, mon Reason, tantôt, je l'ai fermé en gros cave rapidement. Puis j'étais comme, la vidéo n'est pas export. Puis là, je l'ai trouvé. Puis là, ouais, c'est l'émotion. Je sais pas, Dom. J'ai retrouvé la vidéo. On dirait que j'étais pressé de le jouer. Comment j'étais insécure. Je suis d'accord avec Roxanne. Mais... C'est l'émotion. Vas-y, mon Dom. Vas-y, mon Dom. Désolé, man. Okay. Mon double je vais chercher une bière. Je vais chercher une bière, en plus. Désolé. Je vais saisir cette opportunité-là de partager mon amour pour ces deux grandes rockstars, les deux meilleurs pour plus d'un, dont moi. Dieu sait que Bruce Dickinson est dans mon cœur. J'ai vu Iron Maiden deux fois en show, dont oui, la première a été une drôle d'expérience parce que j'ai toffé 6 tonnes, puis après ça, j'ai fait ce que j'appellerais ma première crise d'anxiété ever. C'était pas une très belle expérience. J'étais dans le Centre Bell, puis ça criait partout, puis j'ai snappé. Fait que j'ai raté le reste du show, mais c'était à quel point, genre, c'était une expérience incroyable, tu sais. Mais j'étais pas prêt à ça. Ah, anyway. Pas, avec une crise d'anxiété, c'est pas évident, man. C'était pas une belle soirée, mais bon, c'est ça, c'était fou raide. Iron Maiden en show, époque 2003, je crois, c'était quelque chose. Ouais. Par contre, Judas Priest, je les ai jamais vus en show, puis je crois que j'ai jamais tant embarqué dans le shit avant peut-être les 10 dernières années, mettons. Par contre, je me suis mis à fouiller dans leur discographie, puis ils ont gagné du respect énormément, au point que j'aime probablement plus Judas Priest qu'Iron Maiden à l'heure actuelle, parce que Iron Maiden, mon intérêt a baissé après Dance of Death, puis A Matter of Life and Whatever. Je trouve que genre j'aimais le Iron Maiden plus straightforward, moins progressif. J'ai jamais trippé sur les tunes comme la Toute Timeland. Des fois, ça le fait. Comme justement la tune sur Number of the Beast. Là. Excuse-moi, j'ai un blanc. Là, la dernière. C'est pas Rhyme of the Ancient Marina, voyons. Hello Be Thy Name, c'est un classique. Ben oui. C'est ça. Je pense que, tu sais, au final, c'est juste la musique qui compte pour au final. Mais en tant que frontman, en tant que gars consistant dans sa voix et... Merci. Mais là, trouver mes mots. Man. Je suis désolé, il faut que je partage ça. Checker ça, la belle assiette. Est-ce que c'est hot? Vous êtes dingue. On est fou avec votre... C'est un show de cuisine, là, tout d'un coup. Non, c'est pas vrai. Ah, man, je vais te servir ça. Il fallait que je le passe. Je suis désolé, c'était trop bon. Là, tu nous mangeais ça dans la face, pis tout. Ouais, calmly. Ouais, de toute façon, le combat arrive. Le combat, mais Dom, poursuis, excuse-moi. Poursuis, mon Dom. Je suppose que je t'ai rendu, mais bon, je disais simplement que j'aimais les deux chanteurs sont écœurants, sont différents.
Je dirais que Rob Alford a le don d'aller chercher plus de range différent. Il y a le Toad style, mais il y a aussi une belle voix mid-range que j'aime beaucoup, surtout dans les albums des années 70. Il y a une belle voix chaude. Puis par contre, Bruce Dickinson, lui, c'est vraiment la consistance même. Ses albums solo, je les aime plus que ceux-là à Rob, par contre, parce que c'est juste suprême. Je pense que c'est quasiment meilleur qu'Iron Maiden pour moi. C'est fait ça qui arrive. Pour cette raison-là. Il y a un son plus gras dans le projet solo à Oh, oui. Heavy metal, genre. Ah, c'est insane. L'album, particulièrement Chemical Wedding, est un de mes classiques. C'est un album for the ages. Puis c'est pas mal ça qui m'a fait trancher sur ouais, moi je vote pour Bruce. Mm-hmm. Et de peu, là, parce que, parce que côté Ben, je pense que j'aime plus Judas Priest. Mais, ouais, C'est vraiment juste pour le combat, parce que je les aime toutes les deux également. Là. C'est deux grands groupes, deux grands frontmen. No War. IG. Ouais, Instagram. Ah, mon Instagram. Bruce Dickinson, Rob Alford. Écoutez, c'est peut-être mon manque de culture en Rob Alford, mais moi, juste au niveau de ma carrière de mélomane, Iron Maiden a beaucoup plus d'impact. Puis surtout, ce que Bruce est devenu avec le temps, tu sais. Puis non seulement la vieille époque, coupe de cheveux cool et peines serrées, mais le gars a su vieillir, peut être encore swag, puis pas être ringard. Tu sais, c'est facile de devenir Vince Neil à un certain level, tu sais, que ça chie. Puis que tu ouais, hein? Mais lui, ça a zéro chié, tu sais, vraiment pas. Là, ça, il est juste devenu un plus bel être humain, là, un peu comme Dio, des affaires de même. Là, c'est comme. Robert Ford, il est cool encore, man. Ouais, Robert Ford est cool. On l'a écouté hier en live avec sa grosse crise de barbe grise. Mais il a l'air essoufflé sur un crise de temps quand il faisait Tueur de pain. Là. Il était à quatre pattes à terre puis il jouait hier quand je t'avais assez pompé. Il termine la tonne avec un assez gros growl, man. Assis, il est badass. Moi, je les aime vraiment, ces gars-là. Je me dis, Chris, c'est possible de jouer du métal à 70 ans, puis genre props. Là, hey, c'est vieux, ben oui, c'est vrai. Hey, le gars, il est métal en Chris Alpha pour cet âge. Holy crap! Mais j'ai pas assez. Ça a eu moins d'impact, Judas Priest. Puis j'aimerais ça que ça en ait peut-être plus. Je trouve ça comme décevant d'avoir raté le train là-dessus. Jamais trop tard, man. Ça vieillit très bien, cette musique-là. Ben, je connais juste les albums. Hits, les hits que le monde mettait dans les chars là, pour faire des battes. Là. Je te dirais, tu sais, Painkiller. C'est bon, cette tune-là. C'est catchy as fuck. C'est fucking nice, c'est super quiétaine, mais tabarnak, man. Le riff, il est nice, là. C'est simple, mais efficace. Je pense que pour la populace, là, l'album Painkiller, il n'y a pas juste Painkiller. Il y a Between the Hammer and the Anvil. L'album s'écoute d'un bout à l'autre, tellement bien produit. Je l'ai écouté à job l'autre fois, là, puis c'était genre, je n'étais plus capable d'arrêter d'être bagné. Là, c'est genre, moi. Wow, ok, c'est dur pour moi, mais c'est comme je ne les connais pas, je vais y aller avec le vote sécure, si on veut, un peu très conservateur, qui serait pour moi Bruce Dickinson, juste pour comme l'icône. Puis ça a vraiment l'air d'un intellectuel aussi. Je trouve qu'il représente bien le métal dans plein d'aspects. Man. Ouais. Mais unanime, c'est la première fois. C'est pas fini ce combat-là quand même. Ça reste encore très close combat. Et ça vous donne dernière chance de voter. On profite du prochain 30 secondes, petite gorgée de bière pour vous permettre de voter pour ceux qui ne l'ont pas fait encore avant d'écouter le match de lutte et de prendre le vote de la machine. C'est quoi le score? Je voulais vraiment que je vous spoil là-dessus. Non, mais présentement, là, c'est quoi le score? Ah ouais, je peux le dire. Moi, je voulais vous garder tout ça pour la fin, mais je peux vous le dire là. Pour Bruce Dickinson, on a 5. Et pour Rob Alford, on a 3. Oh! Oh, wow! It can still turn around. Ouais. Puis je pense... Voter! Ah ben oui, c'est ça. Vote or die, man! Vote or die! Mais là, il n'y a pas de vote. Le monde qui voulait voter, ont voté. Fait que je pense qu'on peut poursuivre. Et de toute manière, on faisait tout le match de lutte. Moi, les votes qui rentrent durant le match de lutte, je les prends.
J'ai pas de discrimination là-dessus. On prend tous les votes pendant le match de lutte. Jeff, tu vas pas avoir le temps de manger là-dessus un peu parce que le match est fucking serré. Checker ça, certain. Puis je vais avancer ça. On va essayer de pas trop virer fou puis de crier. On va essayer parce que c'est un bon match. Ah ouais. Dindin. Il y a deux autres bottes. Rob, il y a un mousse qui arrive. Deux. Hey, yo, ok, t'as peu. Il y a un Rob, là. Un Rob. Il y a un Bruce. Hey! The following contest. La belle ride au fond, maman. Je sais, il y a des trucs. Making his way to the ring from England. Weighing in at 172 pounds, Bruce Dickey. Oh, we have one-on-one action on the way, and this one should be nothing short of amazing. I don't doubt that for a moment, Michael. In fact, I would go so far as to say this match might just steal the show. C'est midi, y'a pas de bon sens. Y'a pas de bon sens, ça y est, vite, là. Un effet Rocky 6. Je comprends, j'ai de comprendre la joke, Stéphane. Ouais, c'est 8-bit là, pas de bon sens. C'est un des meilleurs 8-bit, je sais, de Page. Mais là, c'est comme du 8-bit plus. Yeah, man, il rentre. Oh. How badass is that? As we ready for singles action, Byron, what can you tell us about these two competitors? Well, I can say that both of these superstars come into this match incredibly hungry to prove their dominance here tonight. But as we all know, only one will walk away with their arm raised in victory. C'est parti, mesdames, messieurs. Rob Alford qui se bat avec ses lunettes. Oh que oui. Versus. Yeah. Singles action is underway. Damn. This one, I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I'd just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. If you haven't hit record yet, now might be a good time to do that. These guys are going to have a match you'll want to watch over and over again. Je dirais, Rob Alford fait quand même 6 pieds, puis Bruce Dickinson fait quand même, je crois, 5. Ouais. Il est pas mal plus petit. Là. Mais jusqu'à maintenant, il est plus rapide. Mais il est très mobile. Oh! Coup dans le dos. Oh, knee drop. Ça fait mal, ça. Effectivement, je les ai mis égal. Là. Ils ont tous les deux un overall de 87. Ouais, non, c'était clair que c'était pas fini encore. Oh, Bruce, ah non, c'est le match-là, man. Rob Alford qui domine physiquement le match quand même un peu. Il sort des gros shit, des gros coups de genoux au visage. Il fait de la lutte, là. Puis qui se précipite sur les armes rapidement dans le match. Ça fait pas 30 secondes. Il est en dessous du ring. Oh, mais Bruce a vu ça. Oh! Il se prend un bâton en pleine face. Rob Alford qui est encore lisse. Décrisse la table des commentateurs. Teint vos moniteurs de momon. Crisse ça à terre.
I gotta say, watching this match, I've definitely seen similarities to Roman Reigns' defense of the World Heavyweight Championship. En effet, Jeff. Souplesse arrière, rapide. Snap souplex, ça va être très, très, très snappé. Et Alford qui revient, qui s'en laisse pas imposer. Coup dans le dos. Oh, il lui remet ce qu'il sort le kendo stick. Oh. Un coup de kendo stick direct dans le dos. Et ce qu'il ramène, et c'est la souplesse. Oh. Grosse souplesse encore une fois. Frontman souplex à la. Je sais pas si c'était le temps, mais c'était très joli. Alford. Alford. Oh, qu'il domine. Là. Et sans arrêt. Non seulement il est sans arrêt, il fait tout le match à l'extérieur du ring, jusqu'à maintenant Alford c'est encore lisse. Je répète que c'est un match Extreme Rules, donc il n'y a pas de count out, mais on peut pas faire le pin en dehors du ring, mais il n'y a pas de ring out. Donc, on comprend toujours pas pourquoi Alford a détruit la table des commentateurs. Je pense qu'il préparait une cascade, puis il n'a jamais eu l'occasion vraiment d'appuyer. Bruce Dickinson! Il sort une chaise, ouais. Et à coup sûr, on est le combat, pour ceux qui écoutent audio, c'est tout à fait juste dans les tables de commentateurs. Et le combat se passe à côté de la table jusqu'à maintenant. Donc, les chaises sont de mise. Les gars se talochent la gueule. Ils se font des souplesses dans les meubles. Bruce Dickinson avait repris le contrôle. Oh, mais Razor Edge, encore une fois! Encore une fois. Non. Oh non. Bruce Dickinson réussit à reverser. Le Razor Edge, en effet. Le Razor Edge. Qui l'a cru encore une cette semaine, un lutteur qui tente le Razor Edge, tout comme notre Will Rammer de Morticien au dernier combat. Ben oui. À la mémoire de Razor Ramon. Bruce Dickinson sort des gros moves. On n'est pas encore sorti de l'extérieur du ring. Ça se passe toujours au secteur de la table des commentateurs. Oh! Et Bruce Dickinson vient de se prendre le poteau du stage. En plein visage. En plein visage. En pleine face. Et la chaise qui revient dans les mains de Rob Alford qui se précipite sur Bruce Dickinson avec la chaise. Oh! Bruce Dickinson se débarrasse de la chaise. Il en claque une en pleine face. Et il fait un flying européen uppercut. Super de beau move. Il se fait Will Smithy en ce moment. Oui, des gros européens Will Smith au visage. Deuxième double twist uppercut. Là, on attend qu'Alford se lève. Ça sent le final move à l'extérieur du ring. Un facebuster complètement underground. Très weird. Oh, et Alford a pas fini. Un coup de poing suivi d'un double coup de pied sauté. Le match est toujours aussi serré. Je rappelle à tous les auditeurs du podcast Puyo of Destruction que pour ceux qui n'ont pas encore voté, que c'est encore le temps de voter avant que le match soit fini. Et je rappelle que le match compte pour un vote aussi, donc ça peut peut-être même décider le combat, l'issue du combat actuellement. On retourne dans le ring et Alford essaye de lever, mais Bruce n'a pas fini après un two count. Il n'y a rien qui veut finir dans ce match-là, je vous ai prévenu, là. C'est serré. Ces deux bonhommes-là sont pareils. Oh. Neckbreaker. Gros neckbreaker ici de Rob Alford. Ça va braguer à l'extérieur du ring. Prend le temps encore une fois d'aller chercher des armes. C'est pas assez des chaises, c'est pas assez des candlesticks, c'est pas assez de crisser la table des commentateurs. Rob Alford sort une autre table. Voyons donc. Get the tables. Et ici, on sort un powerbomb, Tiger Powerbomb, out of nowhere. Oh! Bruce Dickinson. Oh yeah! Braguer. Oh my god, qui tire de la mitraillette. Il vient chercher la foule ici, là. Gros charisme de Bruce Dickinson qui se dégage. Mais Rob Alford refuse cette montée de momentum. Il avec un coup de genou en plein ventre. Coup de genou en plein ventre, en effet. On tente un pin. C'est pas assez. Les lutteurs sont très précipités sur la victoire ce soir. Les deux essaient toujours de se faire des comptes de 1, 2, 3, puis ça marche pas toujours. Concours de force. Dickinson revient. Prend Rob Alford à la tête. Il semble y aller d'un leg breaker très étrange. On tente encore une fois un pin. Il compte jusqu'à deux. L'arbitre qui a beaucoup de jobs.
Ça doit être un des matchs les plus longs jusqu'à maintenant qu'on a à Puyo Destruction, mais c'est vraiment serré. C'est compréhensible, même pour la machine, Bruce Dickinson, Rob Alford, c'est du gros kit. Oh, je vais remettre un peu de son, désolé. Et un autre qui compte. Et Bruce n'en revient toujours pas à quel point Rob... Ouais, parce que Bruce, il essaye. Il fait un move, un pin. À chaque fois, Alford se revient. Il l'a ramassé littéralement. Un autre overflying, un overcut de Bruce. Complètement fou. Un autre pin de Bruce Dickinson se rebattre. Et Rob Alford qui a pu systématiquement de mourir. Systématiquement. Il ne peut pas te laisser... Il veut pas d'ailleurs. Pas super. Il veut pas d'ailleurs. Je pense qu'Alfred a repris le dessus momentanément. Oh! Indoor suplex. Aider des câbles. Bang! Au centre du ring. Est-ce que c'en est fait pour Bruce Dickinson? Oh non, c'était pas fini. Rob Alford qui semble en faire un powerbomb. Spin powerbomb. Un compte de 3 pour Rob Alford. Oh, Rob Alford qui gagne avec une powerbomb. Alors, je remets la musique dans le fond. Well, they don't call it extreme rules for nothing, guys. Let's take another look. Oh, wow. Remember this? He ain't messing around. Look at him go. Bruce gets something to do, doesn't he? And here's the last piece of the puzzle. Here is your winner, Rob. And he picks up the win. When you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. That's just the harsh reality of it. And that's the kind of action we've come to expect here on Raw. What an amazing match. Anyway, mais ça, Rob Alford. Même moi, j'avais oublié la finale. C'était-tu capoté? Hey, man, c'est superbe. Quel combat enlevant. Je pense que c'était un des plus hauts niveaux action. Ils ont fait des gros moves. Ils allaient dehors, les armes. C'était juste plate que Rob Alford n'a jamais réussi ses grosses cascades. Là, tu vois, il a essayé avec la table des commentateurs. Manny a préparé le set. Ça n'a pas marché. Il a sorti une table dans le dessous du ring. On n'a pas eu de cascade de table. On dirait que les ordis, quand ils fêtent entre eux autres, ils n'ont pas la patience de se faire des gros sets, des hosties de gros stunts. Un jour, peut-être qu'il y en a un qui va mettre la table en feu. Là. C'est un truc qui est possible dans le jeu, là, de crisser la table en feu et péter quelqu'un dedans. Là. Peut-être que, qui sait, on va mettre Varg et ça va chier. Là. Il va crisser la table en feu. Il va crisser une table en feu. Si, Hey, guys, je viens de compter ce vote-là de la machine pour Rob Alford. Puis c'est pas encore une joke. Je suis pas sûr. Je vais compter pour vrai. Pour être sûr. OK. Guys, 6 contre 6. On a encore un draw. Mais pas encore. Le dernier draw, ça remonte à Cryptopsy, je pense, ou je sais pas trop. Ouais, c'était le Cryptopsy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un draw, mais ce coup-là, c'est vrai. Évidemment, le combat de lutte est fini, donc les votes sont finis. Pourrait rester le même. C'est bien correct. Varg Verus, oui, non, c'est oui, je cherchais des bonnes idées. Oui, Varg Hieronymus, je suis down. Je suis extrêmement down. C'est quand... Je suis extrêmement bon, ça en fait full view. Je suis extrêmement bon. C'est vraiment excellemment cave. Je voulais faire Varg. Oui. Je savais pas contre qui, parce que je voulais absolument faire Varg. Il faut absolument commencer à envoyer les combats aux artistes puis essayer d'exposer leurs yeux à nos combats. Il y en a qui seraient pas contents. Imagine envoyer ça à Varg. Il y en a qui seraient pas toujours contents, je pense. Et Chris, que je veux pas que ce gars-là se mêle à notre vie. Qu'ils disent pas tout ça, en tout cas. Ouais, non, c'est ça, on peut peut-être en rire à l'âge que ça a. Donc, 6-6, Bruce Dickinson, Rob Alford, un match qui ne s'est pas décidé ce soir, guys. Qui reste toujours en suspens. Et je rappelle qu'il y a un Royal Rumble qui arrive éventuellement. Mais voilà. Le gros Butcher qui était en chemin. C'était assez intense. Je ne pensais pas que ça allait finir. Moi, je m'attendais à une grosse volée de Bruce Dickinson sur Rob Alford. Mais je sais que les gens adorent trop Bruce. Hey, t'as vu mes stats? Vous avez vu mes stats, Bruce Dickinson. C'était... Mis, ouais. Oh.
All around, t'as fait all around perfect. Oh, oui, 15 partout. Tu sais, excuse-moi, Gab, est-ce que Jessica avait déjà voté? Ouais, mais elle a voté après le match. Ah! Pauvre Jess. Elle voulait briser notre 6 à 6, mais il faut voter pendant la discussion ou pendant la durée du match de lutte. Faut voter pendant le match. La fin du match, c'est la fin, là. Moi, j'aime bon, ça quand tout le monde gagne. Là. C'est comme, ouais, mais c'est ça laisse comme, un bon. Ça laisse le conflit. Tu sais, dans la lutte, là, c'est comme. Ah ah, t'as gagné sur le pin de 3, mais moi et ma gang, on t'a crissé une volée après, fait que t'as pas vraiment de fun, pareil. T'sais. Ça arrive souvent, ça, de. Qui gagne dans cette situation-là, tu sais. Dans la lutte, ils disent que le vrai gagnant, c'est celui avec qui la toune finit le show. Des fois, ça arrive que c'est pas le gagnant. Des fois, tu sais, le gagnant, il se fait péter par le perdant après, qui est un tricheur puis un mauvais perdant, tu sais. Puis là, ça finit avec la toune du méchant. C'est un peu ça. Mais bon. Jess qui dit qu'on est habitué qu'on vole ses étoiles. Une défaite amère de Mario Party hier soir. Elle qui a bragué pendant des 10 tours. Et moi, quand j'ai vu les 5 derniers tours arriver, j'ai fait « Je vais m'acharner. » Finalement, c'est... Elle l'a encore amère ce soir. C'est parti remise. Là. J'ai gagné. Ça, Dom a gagné. Tous mes efforts pour ça qui finalement... Dom était sournois à travers tout ça. Non. Mais c'est j'ai vraiment gagné avec les étoiles, tu sais, les awards, là, tu sais. Le gars qui a pilé le plus sur les cases rouges. Le gars qui a plus utilisé le magasin. M'a fait gagner encore. C'est de la merde. Les awards, quoi de sens, genre. C'est drôle, en Christ. C'est comme des tortues bleues. C'est drôle, en tabarnak. Là, les tortues bleues, calice, on les en a pas. J'ai mis le lien StreamYard à la disposition de nos auditeurs et aussi à la disposition de notre chroniqueur hebdomadaire qui devrait passer avant longtemps. Mais c'est ça, vous cliquez sur le lien, vous acceptez les modalités de caméra et patente, vous setupez vos bebelles, puis vous pouvez parler à 1-800 Pouilleux. Ça vous permet de peut-être parler de ce combat-là qui a eu lieu, vos opinions sur BXN ou sur Testament, peut-être des trucs qu'on a parlé par les podcasts passés ou n'importe quel autre sujet. La ligne est ouverte pour ça. Moi, en fait, je voulais recap une petite référence de la semaine passée, puisqu'on a eu un appel sur la ligne ouverte très tardif de notre collègue Guillaume, collègue Pouilleux à la culture très enrichi, qui nous a référé Eye on Fire, en fait, le groupe Eye on Fire qui font un cover de Celtic Frost, qu'on n'a pas le temps d'écouter. Je ne sais pas si je vais le trouver, en fait. Ou je peux peut-être le garder en recap, dans le fond, là, puisque là, le page est là. Puis le gars, il est occupé, hein, le page, là, il est partout de page. Il écrit, il participe à des podcasts, fait que je respecte son temps. Pour les reviewer. Ben oui, en plus, tabarouette. What's up, The Page? Ah ben, mon sale! Salut, les sales! Désolé de la voix vraiment enrouée, mais depuis dimanche, je suis un peu malade. Donc, je sais pas ce que c'est. Je suis allé voir des shows. Il y avait pas de masque. Fait que on verra. Ouais, ça court, c'est un site pour travailler dans le public. Là, des annulations de rendez-vous aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ah, OK, super. C'est, puis, c'est, juste faire un petit disclaimer là, pour mon nom. Je me suis appelé Justice pour Bixen, mais pas tant. Parce que en fait, là, j'en ai réécouté avant le podcast. J'ai fait « Ah shit, c'est pas si hot finalement. » J'ai fait « Ah shit! » J'avais un meilleur souvenir que ça. Puis le pire, c'est que je suis allé voir sur Encyclopedia Metalum, puis les reviews sont super bonnes. J'ai fait « Ah ben ok! » Ouais, mais le monde aime ça. Le pour vrai, c'est du gros métal qui bûche. Genre, t'aimes ça du black metal quand ça bûche en tabarnak, genre war metal style, puis des trucs comme ça. Oui, go for it! Tu vas peut-être trouver ton plaisir. Moi, non, mais même moi, le snare m'a gossé. Honnêtement, le snare m'a gossé big time. Je l'écoutais, je suis comme « Ah, calice, man, c'est cacane, c'est pas intéressant. » Oui, ouais, ben moi, c'était le bass drum, en tout cas. La chaudière de chez BMR, style de 2-3 albums avant. Genre. Ouais, ben non, mais c'est cool. On peut pas tout aimer. Non, puis, c'est ça, mais... Juste pour rester dans le thème aussi de Slapshot, parce que vous en avez parlé tantôt, puis je l'ai réécouté pendant la pandémie, puis ça faisait longtemps, puis juste pour faire une petite quote sympathique, puis faire aussi une rime qui fit avec l'équipe. « T'es rien qu'un sud de graine, Jeff Mott! »
Puis là, faut que tu dises, quand j'ai le temps, quand j'ai le temps. Ouais, quand j'ai le temps. Ah, ouais. Je suis désolé, c'était pas contre toi, Jeff, c'est juste pour la rime. Puis qu'est-ce que tu penses de la guerre? Je ne connais pas assez par cœur, genre pour qu'est-ce ça. Ouais, mais moi, c'est plus frais en mémoire que toi, là. Puis, mais. Tu sais, tu l'écoutes une fois de temps en temps, puis c'est correct. La gay theory de Ned Braden. Ah, je le sais pas, man. Je sais pas, mais ça me fait juste rire parce qu'ils sont comme, ah non, il peut pas être gay, c'est une grosse graine, c'est. Mais tu sais, la façon qu'il traite sa blonde, sa dépression louche, quand il dit à l'animateur, tu sais, il critique la moumoute de l'animateur à la fin, il dit, voyons, assume-toi avec ta moumoute, nanana. Tout de suite après, quand il dit ça au gars, ça va se mettre à poil sur la glace après avec son striptease. Oui, c'est vrai, man. Il y a vraiment de quoi que quand tu penses à ça, c'est comme. Puis qu'il fait une genre de petite chorégraphie style patinage de fantasy, là. C'est magique, là. Ça se fait tout seul. C'est juste drôle. C'est une autre théorie parce que le film est tellement rendu cool que, tu sais, il y a plein d'affaires louches qui circulent, mais celle-là m'avait fait rire en crise. Mais tu sais, c'est le genre de film qui sont... sur le coup, il y a des reviews, puis c'est épouvantable à quel point le monde avait trouvé ça mauvais à l'époque, mais plus ça vieillit, plus, justement, il se développe un cold following, puis tu fais comme, Chris, tu l'écoutes, c'est pas bon, mais c'est tellement pas bon que c'en est bon. Hey, puis, moi, je le vends souvent à ma job, le Slapshot. C'est sûr. Ouais, mais parce que c'est culte. Tu sais, on avait déjà parlé, Jeff, Kung Pao, c'est pareil. Kung Pao, c'est pas bon. Mais c'est mauvais, mais c'est voulu mauvais. Oui, mais le pays, c'est traduction québécoise en plus, pas l'original. La traduction québécoise, ça me fait rire, moi. L'élu! L'élu! Amen. Ça fait beaucoup de noir, ça! Mais le pire, c'est qu'avec mes chums que j'ai à job, là, des fois, je suis comme, oh non! Oh, c'est l'élu, oh oui! Ah, c'est culte en Christ, oui. Les traductions, c'est surtout les traductions aussi qui font le culte là-dedans, là, si on s'entend. Surtout Kung Pao et Slapshot sont deux bons exemples de traductions que, pour avoir écouté les deux langues, c'est toujours cool, les deux traductions Slapshot, ouais. C'est gras en keb, là, c'est parfait. Oui. Mais le truc qui juste donner un dernier truc sur Kung Pao, là, c'est que la fille, c'est un gars qui fait une voix de fille. Absolument. C'est magique, là. C'est... Raisin total, là. C'est tellement épais. La calice de vache, si en 3D de merde. Ah ouais, le CGI weird. Ouais. Oh, mais le pire, c'est que je pense que... moi, qu'est-ce que j'aime, c'est le narrateur là-dedans. Il est tellement... C'est tellement champ gauche, tellement épais. Il arrive, puis il fesse un gars dans le ventre, puis ça fait un trou. Puis là, t'as le narrateur qui est en bas, qui dit « Mais c'est incroyable! C'est comme un bouchon d'estomac! » Oh, on voit pas ça tous les jours, puis ça finit plus, puis en mai, puis c'est... Ah, c'est top raisin. C'est tellement épais, là. Mais, champion. Champion raisin. Champion raisin, voilà. Ah ouais, c'est fou. Champion raisin. Oui. Ça sonne comme un jus, tu sais, de la marque fruité, là. Un peu. C'est bien bon jus chimique, le classique. Un bon jus chimique mauve fluo, là. Champignon raisin, ça sonne comme toad, mais mauve. Oh là là, on ramène pas Toad là-dedans. C'est quoi cette conversation-là? Toad Things, man. Toad est omniprésent. Le Toad colle, t'arrêtes jamais. Je t'avoue que le Toad, je le ferai pas. Je le ferai pas aujourd'hui. C'est ça. Mais ça a l'air qu'ils ont sorti récemment Oulette de Toad Out. Là, ma blonde a capoté. Oulette de Toad Out! C'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. C'était déjà très bon. Moi, je veux juste Painkiller par Toad. C'est la même affaire. Ils l'ont pas encore faite. Mais non, mais parce que c'est trop obvious, là, voyons. Faster than a bullet! They may find screen! C'est la même calice d'affaires, là. Oh là. En passant, Jeff, mon chat, il a peur de la nouvelle créature qu'on a achetée au Archambault. Non, Renobré. Renobré. Mais je le trouvais sympathique. Ça sent la Chine. Ouais, ben c'est ça. Oh là là. Mais bon. Bon, mais d'habitude, tu passes pour parler métal. Fait qu'on peut continuer dans ces traditions-là. Ça me dérange pas. Mais regarde, tu voulais parler aussi des. J'ai vu des shows récemment aussi. J'ai vu pas mal. C'est vrai. J'ai oublié ça. Comment que t'étais. Ben, c'est d'où là que t'as pogné ton mal de gorge. Possible. Parce que je suis allé voir Mayhem mardi passé. J'étais pas là, mais je lui ai donné des suggestions de marde, par exemple. Puis, fait que c'est ça. Non, mais Mayhem, avec le grand Attila qu'on aime d'amour. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Le show était vraiment le fun.
c'est la deuxième fois que je les voyais, puis c'est la fois que j'ai trouvé le plus fun. La première fois, j'allais un peu de reculons, ben, j'étais pas le plus grand. Je suis pas le plus grand fan de Mayhem non plus. Quand t'es mais, hein? La première fois, c'était quand? 2017-2018. Ah, ben, t'avais le même show que nous autres, on mettait. Pas au Metropolis. Mais... Non, c'est au c'était c'était Quatin. Club Soda, ouais. C'était Club Soda. Non, n'était pas là. Ah, moi, c'est, j'ai vu un show avec Quatin, puis je me souviens plus quel autre band qui ouvrait. Là. Ah, c'est Revenge qui ouvrait. mais okay. c'est le show que j'ai vu. The Page Chronicles, c'est beau ça. The Page Chronicles. Ah, puis, j'ai vu la semaine d'avant, j'ai vu Sepultura aussi au Corona. Ouais. C'était très nice avec Sacred Reich. Puis c'était vraiment bien, je les avais jamais vus. Tu sais, quand genre de band culte qu'il faut que tu vois dans ta vie au moins une fois. C'est sûr que c'était pas Cavalera, c'était Derek Green. Mais Chris Théod, pareil. Avec, mais le drummer, elle est Casagrande. Là, ah, il est solide. Il barge, le gars, tu sais. I kind of wish qu'il y ait une version avec ce drummer-là puis Max Cavalera. J'ai jamais été capable de autant enjoyer Sepultura après Max. Puis c'est vraiment bizarre parce que Derek Green est excellent et charismatique. Oui, oui. Et puis je le ferais pas chier, moi. Honnêtement, là, Chris, non. À la carreuse qu'il y a, moi, je le fais pas chier. Il est grand, là, aussi. Hein. Puis quand, tu sais, Andreas Kessa, il est super bon, mais j'ai trouvé que live, Chris, ça manquait une git. Il manquait une git pour que ça aille un son vraiment puissant, puis englobant. Puis... Je sais pas, les vieilles tunes sonnaient bien, mais une guide de plus serait pas faite de tort par tout. T'as-tu vu s'il y avait comme plusieurs câbles? Ouais. À un moment donné, il était linké quand même. Un peu. Ou il y avait des tracks. Ouais, je ne sais pas. Ouais. T'as partagé un show avec Jeff Mott aussi récemment, non? Oui, on est allé voir Omnium Gatherum et Legion vendredi passé. Super! Bord le Ritz. Hey, pour vrai, c'était nice, pareil. Le coup, c'est avec cette amertume. Ah non, mais c'est dans les salles que j'aime le moins pour plusieurs raisons. C'est pas dégueu, mais c'est pas propice à un gros show métal qui a un pit. Tu sais, on s'entend, c'est correct. Ah, j'ai vu Tanger Cavalry, puis j'ai vu Samuel Pelletier solo live là-bas. Puis un show relax, live au Ritz, je suis sûr que ça sonne bien, puis c'est super le fun. Mais le fait que ça soit loin, le fait que ça sonne pas super... Tu sais, ça sonnait correct, là. Mais c'est pas ma scène préférée, mais le show était le fun parce que les gens étaient le fun. Ben ouais. Ah. Hey, Dom est parti. Oh, pétale mouilleux as fuck, ce show-là Gab, on a fait un pétale mouilleux. Ah oui, live, je l'ai vu la photo, j'ai raison à crisser sa page Facebook. Puis, C'est quand tu vas observer le logo de Omnium Gatherum. C'est ça. C'est ça, le logo de Omnium Gatherum. C'est pratiquement du pétalmouillisme. Oui, Omnium Gatherum. Mais votre expérience est positive. Moi qui est toujours le gars le plus capricieux sur le son, ça se passe bien. Je dirais que le son était meilleur à Legion, je trouve, que Omnium. À Legion, il sonnerait vraiment mieux. Ah ben oui, t'as raison. Excusez. Ah ben. Chris, c'est vrai. Le mythe est vrai. Mais le mythe est vrai. Mais oh my God. Qu'est-ce qui est bien plate aussi, c'est que le keyboard dans Omnium, il était inaudible. Ouais. Fuck all. C'était plate un peu. Mais tu sais, c'est le genre de band qui vient de plus en plus souvent à Montréal, tu sais, mais. C'est la première fois qu'il venait à Headliner, puis je trouvais ça le fun. C'était repoussé, je pense, par la pandémie, une fois, peut-être, je sais plus. Deux fois, il était avec Insomnium. La pandémie, il tournait avec Insomnium. C'est le Insomnium Gatherum Tour. Ah oui, puis Tania avait ce chandail-là, d'ailleurs. Ben, moi aussi, je l'ai, le chandail de tournée qu'on a acheté, qui ont dans le fond, reprinté un cancelled par-dessus, puis ils ont vendu. Ouais, moi, ouais, j'aurais l'honneur aussi. On l'a commandé parce qu'on était supposé y aller. Mm-hmm. Je vais me taper rapidement un petit extrait de cette chose, si pour mettre une idée là-dessus, parce que moi, je connais pas du tout. Fait que c'est sûr que j'allais pour live. J'aime beaucoup. Puis oui, le double Docking of Death est vraiment là. C'est ça leur logo. C'est complètement fou. Salut, Dom.
Ah, c'est du death metal de joie. C'est très, ouais, très nice. C'est heureux. Les paroles aussi sont joyeuses, généralement. Et petit shout-out à l'anglais impeccable du chanteur quand il s'adresse à la foule. Hé, hey, calvaire, hein? C'était pratiquement inaudible. Ah, c'était weird. Ouais. C'était weird et malaisant, puis on se disait, OK. Tu sais, il y a un meme de... C'est un close-up, c'est une face de vieille peinture de bébé, genre, qui fait juste regarder avec sa mini-mini face au milieu de sa grosse, grosse tête, genre. Oui, oui, oui. Et qui dit, oui. C'est un... Le gars, oui. J'ai rien compris, man. On se regardait, on était comme, ah bon. Oui. On parlait de Cover, puis Omnian Gatherum, c'est pas un band que j'écoute au bout, mais justement, dans mon blitz de cover la semaine passée, je me suis rendu compte qu'il avait fait une cover de Subdivision du groupe Rush, que j'aime beaucoup. Ouais, quand même. Pas mauvais. Le growl depth sur une tonne de Rush, c'est bizarre, par exemple. Mais je te dirais même que le growl du chanteur pour la musique qu'ils font, dès le début, quand j'ai découvert la band, je trouvais qu'il était... même un peu trop gras, mais on s'habitue. J'ai écouté un extrait du cover de Rush par ces doutes. C'est bizarre, il est très Cookie Monster-y. Là. Ouais, je vais checker. C'est weird. Ça a l'air nice, mais ça a l'air... Ouais, c'est weird. Indeed. Ouais, c'est weird. Je l'aurais pas mis dans mes tops, mais c'était intéressant. Mais ouais, c'est très intéressant, en effet. Mais, en effet. Mais Omnium Gatherum, effectivement, un esti de bon ben de death mélodique. Yep. Donc, sur ce, ben oui, j'ai quand même des suggestions. On peut pas divaguer à l'infini. On peut, mais à un moment donné, ça va être non, pour le monde qui écoute. Moi, j'ai pas soupé. OK, OK, ben regarde, je vais abréger ça. Mais non, je... pas ton temps pareil, là. Ça brosse, bien. Justement, en pensant au show de vendredi, monsieur, regarde, une suggestion qui serait intéressante, c'est d'aller avec du Allegiant. Ils viennent de sortir un album, mais j'irai pas avec le nouvel album. Oh! Je n'irai pas, je vais aller avec l'autre avant, Apoptosis, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs... Allegiant, Damnum, le plus récent album, mais on le review demain à Metal Minded. Cool, OK. Fait que je voulais pas en parler deux fois, deux jours d'affilée. Vas-y avec la dixième, qui s'appelle Stellar Tidal Disruption, que je trouve écœurante. Vers la fin, je dirais, de la toune, là, c'est fou raide. On se tape un extrait certain. Crime de crime. Ok, mais ça a l'air solide. Man, pour vrai, ça me rappelle le drummer. Oh, ouais, tellement. Tight as fuck, super enthousiaste, full d'énergie, de grosse mêle. Il a même pas l'air de forcer, man. Pas en tout. Il y a là, genre, ça rentre dans le tapis, tu regardes le drummer, puis il est comme. Mais c'est... Ah, je fais juste des sons de tantôt dans le Dark Crystal shit depuis tantôt. C'était eux autres, Légion, qui faisait des covers de death metal dans le métro. Ouais. Ouais, ok, je savais pas. Ça a quand même moussé leur popularité un petit peu. Ouais, au début de leur carrière, là, après le premier album, là, ils ont décidé. Le chanteur était dans le métro avec les guitaristes, puis c'était quand même très drôle comme stun. T'as peu, ben oui. Metal on the street. Non, ouais, mais ça, c'est Ben Puyo de Destruction. Je veux juste faire un petit shout-out au chanteur Riley McShane, qui a un vocal puis un range de malade, pour vrai, là. Qui est aussi un excellent monstre au sein de la fabrique de monstres. Tout à fait. Ah ouais, ben oui. Ouais, il a fait du travail dernièrement sur une extension. Il fait Leon Kennedy dans l'extension de Resident Evil de Dead by Daylight. C'est vrai. Juste m'écouter un petit Metal in the Metro. Oh, j'ai raté sa performance.
Je peux-tu avoir de la musique? Ok, mais je pense que tu l'as, on l'a tout manqué. C'est bien désagréable. Ah, oh, mais. Il chante tout de suite maintenant. Là, t'as skippé tout le bon bout, Vlad. Alors, je sais pas si on peut se faire flaguer pour ça. Ben non. Ouais, c'est métal le truc, raison. Je sais pas, mais allez écouter votre truc. Et souvent qu'à Légion dans le métro, ça se trouve sur une note. Sinon, ça va aller en recap au prochain truc. Ouais, j'allais dire, c'est. Metal Sucks, en plus, c'est le média préféré à Jeff Mott. Fait que. Non. Oh my god. Ah ouais, t'es aimes pas, Jeff? Ah non, moi non plus. Okay, ouais. C'est genre de. Sans tomber trop dans l'histoire, là, c'est. Il aime ça brasser de la merde pour absolument rien. C'est comme on a trouvé une photo des membres de Monster Raw avec un gars qui est peut-être dans un groupe néo-nazi, mais on n'est pas sûr, mais on va en parler juste pour faire de la merde. C'est le genre de. Les vices. Un peu comme toutes les médias. Là. Ouais, mais eux autres. Jeff, je vais dire un terme, là, puis je suis sûr que tu vas approuver. C'est des sniffeux de caleçon sales. Non. Genre. Et voilà. Je suis d'accord. C'est comme c'est les pires revues à potin, mais de métal. Ah, c'est le 7 jours du métal. C'est bon, ça. De la situation qui sont mis à l'avant. Ouais. On avait un 7 jours du métal. On avait un 7 jours du métal au Québec. C'était Music Universe, mais ça n'existe plus. Ben, fait que c'était mon éditorial. Non, mais tu sais, 7 jours dans le sens de tu veux pas savoir si l'album est bon, tu veux savoir si quelqu'un a tué quelqu'un dans le band. T'sais. Genre. Ah, ben c'est ça. À un moment donné, il parlait, les coupes dans le métal, il avait sorti ça. Je suis comme, c'est pas. Anyway, je vais arriver avec ma dernière suggestion de la soirée, puis après, je pense que je vais me coucher pour vrai. Man, pauvre toi, courage. je fais ce que je peux. Mais même, je comprends pour vrai, c'est honnêtement. Pas là, chaud infusé, là, avec du citron, du gingembre. Ça circule, Max. Moi, ça fait 2 jours que j'ai mal à la gorge, puis j'étais à job, puis je suis sceptique d'être à job avec des symptômes, mais tu sais, c'est le test qui décide si tu rentres à cette heure. Ouais, mais c'est négatif, mon truc, moi. Fait que je sais pas. Mais rentre pas. De quoi ça? Ah non, mais on reparlera pas de ça. Là. Mais ah non, Chris, rentre pas, rendu là. Si t'as vraiment des symptômes, t'es malade. Ah non, mais je travaille de chez nous depuis mars 2020, je m'en fous. Là. Ah wow, ok. Fait que, mais tout ça pour dire que ma dernière suggestion, pour pas parler de fucking COVID, parce qu'on a déjà assez parlé, c'est un band que Jeff aime beaucoup aussi. Moi, je suis vraiment allé avec le Jeff Love à soir, mais on va y aller avec un album qui s'appelle Mark of the Necrogram de Necrophobic. Et surtout, un classique de cet album-là qui est Tsar Bomba. Et bizarrement, ça a un drôle de fait avec la situation actuelle en Ukraine. Mais la toune est très très cool. Ouais. Puis la pochette est très très cool aussi. Ouais, ben là, je suis allé dans le lyric vidéo. C'est pas une idée, mais. Ouais, mais c'est correct. Mais dans le lyric vidéo, on voit la pochette quand même. Mais ça sonne en tabarnak. Ah oui, c'est là une belle peinture à l'huile, fuck top. Ben oui, ok. Tu sais, genre que 5 secondes de ça, ça a plus de charme que tout l'album de BXN. Mais bon, je sais. Arrête, non. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Là, ça a l'air vraiment bon, ça. Ça a l'air vraiment bon, ça. Necrophobic, c'est un asti de band qui existe depuis fucking longtemps. Moi, je les ai découverts dans le temps autour de 98 avec l'album de 97. Je me rappelle plus. Je vais aller voir... Mais je connais pas de zéro Necrophobic, c'est quelle nationalité? C'est des Suédois. Ouais, exact. C'est pour ça que ça a l'air bon. Et je vais faire un petit shout-out parce qu'il y a deux gars de Necrophobic qui ont participé à un nouveau band cette année qui s'appelle Inaphelion, qui est avec le drummer d'un groupe de thrash technique qui s'appelle Cryptosis. Puis c'est très très cool. Inaphelion, dans deux mots. L'album dont je parlais, c'est de Nocturnal Silence, qui date de 93. Moi, j'ai trouvé ça, découvert ça à la fin 90. Chris de bon album de trash death, genre.
fucking nice. Puis après ça, ben, ils ont dit, OK, on fait du dead black metal. Puis c'est rendu vraiment du dead black metal avec une petite touche mélodique. Très, très nice. Depuis l'album Blood Hymns, même de Third Antichrist en 99, qui était quand même dans ces lignes-là. Là. Excuse, Jeff, depuis tantôt, je vois mon chat capoter sur quelque chose en arrière. Puis je sais pas ouais, j'entends du bruit. Je sais pas ce qui se passe aussi. C'est fucking drôle. Mais je trouve pas une band de In Aphelium ou Aphelium. In espace A-P-H E-L-I-O-N. Ah, le PH, excusez. Mais ça sonne quand même nécrophobique pareil, mais peut-être un peu moins thrashy puis plus black metal. Okay. Moribond. Ouais, parce qu'il y a le côté old school death, genre dans nécrophobique qui est toujours là. On va écouter un petit extrait de Laisse la bête courir de sauvagement. Let the beast run right, run wild. Ça me rappelle au rang noir un peu. C'est dommage charmant tout ça. Mais je trouve que c'est moins crasseux que Aura Noir, par exemple. Ouais. Ouais, définitivement. Mais on reste quand même dans le même genre. Puis j'aime bien ça, ce genre. La pochette fait très vieux film d'horreur, mais je la trouve pas particulièrement belle, par exemple. Je vais avouer. Puis ni le logo, mais musicalement, c'est quand même pas pris. Hey, moi, ouais, c'est espèce de jaune sableux-là mélangé avec le rouge puis le gris. Oui, c'est pas super coquet, mais c'est quand même. Assez unique, je dirais. Ouais. Moi, j'aime bien. Je te dirais que en tant que gars qui Photoshop, qui en fait beaucoup, je te dirais, les lasers dans les yeux, enlève-les, puis ça donne déjà beaucoup plus de charme. Ouais. Le truc qui look un peu BS au travers, c'est ces deux lasers-là. Puis sinon, j'adore tout le reste. Ouais. Vraiment, je trouve vraiment nice en dehors de ça. Là. Je suis comme, pourquoi tu as mis ça? tout ça pour dire que les suggestions que je vous ai données à soir risquent d'être. Si vous les prenez pour une review éventuelle, vous allez pas mal plus triper que BXN, c'est sûr et certain. Ah, oh, OK, c'est des. Ben, merci. De toute façon, tu me rassures en même temps d'en revenir, parce que je l'ai réécouté, puis je suis sceptique. Ça me rassure. Je fais, ouais, okay, non, pas fou, pour vrai. On n'est pas des haters, là. On se fait jamais les choses en général. Puis là, je sais, j'étais dans la vibe du show de black metal de Mayhem, puis je dis, ah, je vais leur pas shooter des affaires un peu plus. Un peu plus intense, un peu plus grim. Puis là, je suis retombé là-dessus. J'ai fait « Ah ouais, BXN, mais ça me c'était pas pire. » Je vais go, je vous ai donné ça. » Puis j'aurais dû double-checker. Ma faute. C'est pas grave. T'es toujours une belle référence. Puis on te suit chez Thorium. Puis de toute façon, t'es un peu partout. Là. Ben là, t'as-tu un petit break? T'as pris ton break un peu récemment de Metal Mind? Ça, ou... Ah, je recommence demain. Ah bon, on te voit demain à Metal Mind dans ce cas-là. Ouais, mais ça, je disais, je fais Allegiant, mais le nouvel album, on le fait demain avec plein d'autres bands le fun, dont Urban Aliens, qui est... j'allais dire petit Ben de chez nous, ça fait quand même un bout que ça existe. C'était présentement à CIBL, sûrement que c'est terminé, là, mais ouais. Les gros bars du Québec. Ouais. Genre. Fait que ça va être ça. Venez écouter ça demain. Hey, ton chat est trip en est. Je pense qu'il me débite à terre, c'est pour ça qu'il y a battu de même. Fait que je vais aller voir un coup que je vais avoir raccroché. C'est bon, man. Merci beaucoup d'être passé. Je suis content de t'avoir vu. C'est un petit deux semaines, on s'ennuyait. Ah, c'est good. Puis on s'en jase. En personne, au préférable, ça serait le fun. Ciao. Ça serait le fun de voir. Fait que là, il faut qu'elle sauve son chat, là. On fait un autre fucking karaoké, guys. Ouais, bientôt, ça serait fun. Ben oui, ça serait fun d'en faire un autre karaoké. J'ai remis le lien StreamYard, personne n'est là, guys. Ça sent le générique en tabarouette, mais c'était vraiment un beau podcast. Ben ouais. Absolument. Combat fucked up. Je m'entendais pas aussi fucked up. Je m'excuse, j'étais un petit peu égaré. J'étais tellement préparé à la dernière minute, puis comme, je sais pas. C'est correct, gars. Weird. C'est correct. Ça arrive. Des aléas. Live shit, là. Faut pas être trop demandant, là. C'est ça qui est le même. Surtout quand t'as un collègue qui se pointe puis qui a décidé de s'appeler Double Bass Dumb, genre. Non, pour vrai, mon malaise ça a vraiment été quand que je pensais que j'avais pas le vidéo. Là. Puis là, t'as mon Jeff qui parle en arrière de moi puis qui hey, j'ai attendu toute la semaine ce combat-là. T'as attendu toute la semaine ce combat-là? Puis là, je drague dans les fans. Il est où le calice de vidéo de mort? ça doit paraître dans ma face. C'est sûr, là, si on réécoutait le truc, il doit avoir le moment précis où ce que vous voyez dans ma face, je dois devenir blême. Pour vrai, j'étais tellement... What the fuck? J'ai pas exporté. J'étais blind parce que tantôt, quand j'ai ouvert l'ordi, j'ai juste fermé mon Resolve
pas savé, parce que je me disais, ah, il t'exporte mon vidéo, puis je garde comme le frame de cette session-là vierge pour rien. En tout cas, je me comprends. Ah, je ferme tout ça, blablabla. Bla, bla. Là, tu me dis ça, puis je fais ah, « OK, alors on va écouter la vidéo. » C'est pour ça, quand Dom t'es revenu, je veux dire, dès que j'ai retrouvé la vidéo, je l'ai crissé dans la canne sur le stream. J'étais comme trop content de le trouver. J'étais comme « Ah, c'est-tu, il est là, magique. Magique. » Comme très compréhensible, si les joies du podcast. Ouais, ouais. Alors j'ai hâte de me regarder la face. Moi, je vais le savoir comment. Je dis « Oh, ça, c'est les yeux du gars qui fait « Oh, tabarnak, il est où, la vidéo, câlisse? » You know what? Il n'y en aura pas de loterie cette semaine. Ok, ah ouais, je l'écoute. J'ai décidé d'honorer le gars pour qui j'ai pas voté, Rob Halford, et d'y aller avec un excellent album de Judas Priest. Je me fais plaisir le cette dernier. Semaine. Non. Ah, il va l'air. L'écouteras tout seul, Firepower. On va retourner dans les années 70. Stained Glass, man. Cet album-là est un fucking classique du metal. Stained Glass? Class, ok. Je le mets parce que ça me tente. Puis que j'ai passé une semaine à écouter du BXN, puis du Third Rate Testament. Ah, ben là, man, par exemple, ça va peut-être altérer mon choix, parce que moi, je sais que le choix que j'avais, il était relax. Je sais pas s'y aller avec du 70, puis du... mais c'est quelque chose de moderne. Why the fuck not, man? Ben oui, on est des pouilleux variés, là. Pouilleux égales et tout. Là. L'important quand t'es pouilleux, c'est d'avoir des cheveux, oui, une moustache. Hein, si j'en regarde et des lunettes. Finalement, avoir des lunettes, une moustache, c'est pas mal être pouilleux, ça. Hein, hey, man, pourquoi on a le même. On a toutes des grosses lunettes de plastique noir puis des moustaches. Ouais. OK. Alors, ça va s'appeler bientôt Lunettes et Moustaches, ce podcast-là, ou Lunettes of Moustache. Peu importe. Revenez à Lunettes of Moustache la semaine prochaine, épisode 56. Je sais même pas trop ce qui se passe, je sais même pas trop c'est quoi le top 5. Vous êtes que d'être là mardi, c'est la base.